Salut les amis, bienvenue, bonsoir à vous, bienvenue en ce mercredi soir. On est mercredi, Lolo? Mais on est mercredi. Yes, alors on est sur la bonne chaîne, on est sur la bonne course et on est avec la bonne Lolo qui va commenter cette 908 avec moi. Salut ma Lolo, comment ça va? Salut mon Stéma, ça va et toi? Eh bien écoutez, en forme, un peu fatigué du boulot, mais ça va, on est là, on tient la route, on tient la route. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi aussi t'es en forme. Ce soir, une soirée un peu spéciale parce que, voilà, il y a toujours des événements un peu, beaucoup même tristes qui arrivent dans la vie et la communauté GT7 souffre de la perte d'un pilote ce soir. Voilà, Punk de la Magine, sous son prénom Raphaël, nous a quittés prématurément. On sait bien que c'est que les meilleurs qui partent dans ce monde et ce soir. L'AIVRT en concurrence avec tous les pilotes ont décidé de faire un petit quelque chose, c'est pas grand chose mais juste pour penser à lui et penser à notre pilote, il va y avoir un petit tour d'honneur réalisé lors du début de cette manche pour penser à la famille déjà de Raphaël et à lui-même. Voilà Raphaël, où que tu sois en ce moment, je te souhaite d'y être bien, voilà, pour peu qu'il y ait un paradis, je te souhaite d'y être. Nous on va essayer de que la vie continue, Malolo, parce que malheureusement, ça fait partie du lot de chacun. On naît, on meurt, on y va tous. Bon, il y en a qui partent un peu plus tôt, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est une triste nouvelle. On a appris ça il y a quelques jours dans la communauté. Je ne connaissais pas personnellement le pilote, mais je sais que quand on perd un pilote, on perd un membre de notre famille dans cette communauté. Tous autant qu'on est les pilotes, les team managers, les casters, tous, voilà. On est tous réunis autour d'une passion, la voiture, d'un jeu vidéo qui nous anime, et voilà, on est là le soir, on commente, et voilà, c'est toujours triste. Donc on souhaite le meilleur et on souhaite surtout du courage à la famille de Raphaël, et voilà, ce soir donc on va faire ce petit tour d'honneur, et puis après, ben, comme dit le dicton, show must go on, on doit continuer le spectacle. Voilà, c'est comme ça ma Lolo. Déjà on va remercier tous ceux qui sont sur le live avec Goldorak, Kella, Milo de la KCFR, ma Sabrina, je te fais de gros bisous, il y a David aussi de la OMT, gros bisous mon David. Voilà, merci à vous. Vous êtes déjà 11 sur cette poule excellence de la 908. C'est la manche 7 déjà, donc l'avant-dernière manche, ouais, puisqu'il y aura la finale, ça sera la semaine prochaine. Nous, on n'y sera pas, Malolo. On sera nulle part parce que je ne pourrai pas faire la SRA. J'ai prévenu Nico. Donc, je te mets au repos pour mercredi prochain. Tu vois, tu pourras prendre le X à ta fille. Tu pourras regarder Top Chef. Tu pourras, un, regarder Top Chef. Et deux, tu pourras prendre les lettres de l'alphabet à ta fille. Non, mais ça, c'est fait. C'est bon. Voilà. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Allez, juste le temps pour moi de présenter. On a 5 minutes pour présenter cette course de ce soir. Yamika, la DDP aussi, qui est là sur le live. Je lui fais de gros bisous. Maxime, qui est arrivé de la cassette. Il y a ma petite Laure à moi, je te fais de gros bisous ma Laure. Voilà, donc la présentation de cette course. Donc on est là, on est sur le championnat de la IVRT. Tiens, je vais mettre la vraie affiche, la vraie, avec le calendrier de cette course. Alors ne vous fiez pas aux dates parce qu'on a dû, la IVRT ont dû tout changer. Mais voilà, on est bien sur la 7e manche et on est sur Suzuka. Et la finale, ça sera sur le circuit de la Sarthe. Voilà, donc que vous connaissez tous, ça sera le mercredi prochain normalement. Celui d'après, tout à fait, dans 15 jours. Et on y sera en plus. La grille de vos pilotes, vous la retrouvez ici. Donc, nous, on est sur la poule Excellence. La Master sera diffusée par la GoFast Motorsport. Les deux autres, je crois qu'il y aura Fafa de la T3 GTTV. Et je ne sais plus qui fait l'autre poule. Tu as dû avoir les grilles. Donc Fafa, la poule élite, je ne connais pas. Amnèse, c'est Amnèse qui le fera. Sur notre grille pilote, donc vous le savez, hein, sur le championnat la 908, il n'y a pas de qualification. Donc la grille que vous voyez ici sur votre droite, c'est la grille des départs. Donc partira en première position Richie que je salue, un Toulonnais, qui était à la TSR avec moi. Je te fais de gros bisous. Le TM de la DDP est présent ici avec Mika qui partira en deuxième position. La PTR et non pas la PTDR. Attention à ne pas confondre. tu vois, tu es déjà PTDR. Dans ma tête, je l'ai fait. Voilà, donc, voilà, c'est ça.
La PTR avec Seb, on aura Mathias aussi 45 qui sera là, la THR avec Juventus, Ludo pour la KCFR sera là, il y aura aussi Max pour la KCFR, CC 1100 ou 1100, ça dépend comment vous le prononcez, la THR avec Moms aussi, on aura Flo de la KCFR, JPiz pour la LCRT et Amiral Narcos. Alors je ne sais pas si c'est un indépendant ou si sa team s'appelle Narcos ou si lui, sa team s'appelle Amiral parce que je ne connais pas le pilote. Mais on va découvrir ça doucement. Bah oui, je ne connais pas tous les pilotes. Mais il nous manque un pilote encore. Ouais, ben on va attendre un peu. Il est que 9h. Hein. Ils savent très bien que sur la télé de Stéma, on est en retard. Donc. Du reste, est-ce que tu pourras leur mettre le petit message salut, vous êtes sur la télé de Stéma, on aura 5 minutes de retard. L'affiche, je l'ai montrée. C'est quelle affiche que j'ai pas montrée l'affiche de course, voilà. Je vous ai pas montré l'affiche de course. Donc, exceptionnellement ce soir, donc vous le voyez, on est sur le circuit de Suzuka. Je vais vous présenter le circuit. Mais je me rapproche un peu. Ah, ouh, je viens de faire tomber mon téléphone, c'est ce que vous venez d'entendre. À moins que tu veuilles lire, tiens, si tu veux lire le tour d'honneur, tu vois, sur l'affiche. Ça m'arrange parce que moi j'y vois rien, j'ai des petits yeux de vieux et j'y vois rien du tout et ça me permettra de ramasser mon téléphone pendant que tu lis tout ça. Donc il faut que j'écrive, que je lise en même temps. J'ai ramassé mon téléphone. Et c'est ça le métier de co-caster. T'as signé, hein, je te signale. Hein. T'as signé. Hein. Non, j'ai rien signé. J'ai demandé une boîte de chocolat en cadeau. Et tu l'as jamais eu? Non. Oh merde! Eh ben écoute, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu auras ta boîte de chocolat, voilà, avec l'autocollant télé de Stéma dessus. Voilà, je te le dis. Ah, j'ai oublié un mot. Bon, c'est pas grave. Donc, les paramètres de course, je vous le dis, c'est de la GR1, puisqu'on est avec cette Peugeot 908. Trois types de gommes obligatoires et utilisables. Ça sera des pneus course en dur, médium et tendre. La conso en x3 ainsi que les pneus. 90 minutes de course, donc 1h30. Voilà, vous avez tous les paramètres de course là-haut. Il n'y aura pas de qualification, bien évidemment. Et ce tour d'honneur, notre Lolo va... Tiens, il y a Milo qui dit la gourmande. Et il y a Lolo qui va nous faire la description de ce tour d'honneur. Donc, un tour d'honneur sera effectué au départ de la course en mémoire de Raphaël. Le tour d'honneur ne doit pas être utilisé au profit d'une quelconque stratégie. Ce n'est pas un tour sous safety car, c'est pourquoi il est interdit de changer de gomme, de slalomer pour chauffer les pneus, de prendre de la distance à la fin du tour pour mieux accélérer. Donc ensuite de ça, nous aurons un départ lancé, les pilotes se mettent en file indienne, interdiction de dépasser, et suivent le rythme du pilote en pole position. Vitesse max 140 km/h pour tous les pilotes. Les pilotes doivent conserver une allure stable et ne pas laisser plus de 20 mètres d'espace entre eux. Ralentir, accélérer est interdit. Le cortège des voitures doit être homogène. L'accélération pour le départ de la course se fait à partir de la ligne d'arrivée du tour 1. En cas de casse voiture, seuls les pilotes subissant un dégât peuvent entrer au stand pendant le tour d'honneur pour réparer. Pit interdit. Interdiction aux pilotes ayant provoqué la casse d'entrer au stand avant le tour 2. En cas de sortie de piste ou drift, vous pouvez réaccélérer pour regagner votre place. Eh bien, dis donc. T'en as dit des choses. Hein? Ouais. Est-ce que tu vas me dire la grille? Moi, j'ai Richie, Mika, après j'ai qui? Je ne sais plus. Richie, Mika, Seb. Seb, c'est bien. Bon, t'as vu la référence. Ouais. elle est désœuvrée. Après, il y a Mathias. Mathias. Il est là, il était 12e. Ils sont tous là, les pilotes, donc oui. Mathias, c'est bon. Après, il y a THR Juventus. La Juventus de Turin qui est là avec nous, hop là, qui est juste après. Donc Mathias, ok. Après, il y a de la KCFR Lude HO46. Ouais, tu peux dire Ludo, hein, il s'appelle Ludovic. Oh, ah ouais, j'avais pas fait le... Je suis blond. Tac, Ludo, juste après la Juventus, qui partira 6e, en slip. Max. Max la menace, Maxime de la KCFR qui partira derrière Ludo. CC. CC, qui est CC? Je sais pas. Je ne sais pas. CC, on va dire c'est Jouge. Je ne sais pas qui est CC. Peut-être remplaçant. Donc il est derrière Max, c'est ça? Ouais. Ok. Après il y a THR Moms.
Mams qui partira derrière Jouge en 9e position, ça marche. Je t'écoute. Après, on a Flo. Flo, c'est bon. Jipiz et Amiral, c'est bon pour moi. C'est ça. C'est bon pour moi. Allez, il est 21h02, donc on va juste présenter les infos du circuit. Donc Suzuka, petit circuit de Formule 1, donc circuit que vous appréciez. Si vous suivez la Formule 1, 5807 mètres de long, 1200 mètres, c'est la plus longue ligne droite. Des virages mythiques comme Spoon, comme le 130R, comme la chicane du Casio. Voilà, tout ça, on va vous le dire et le répéter. Est-ce que j'ai fait une petite animation sur le circuit? Voilà, donc vous voyez la petite animation de Formule 1. Bon, elle date un peu, mais au moins ça vous permet de situer où est... le circuit, voilà, donc ce circuit situé au Japon, mythique, hein, il y a eu des championnats qui se sont joués, il y a eu aussi, on pense au décès de Jules Bianchi il y a quelques années de ça, pilote de F1, au devenir vraiment, il avait une carrière devant lui, et voilà, encore un qui est parti trop tôt, en la mémoire aussi de Raphaël. Une soirée un peu sous le signe du deuil ce soir, mais voilà, on va essayer quand même de donner le ton dès que la course sera lancée. Voilà, vous voyez un peu ce circuit pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc je vais vous faire un tour embarqué. Donc là, on passe la ligne droite des stands. On est à bord d'une Formule 1, mais vous inquiétez pas, ça va aller aussi vite quasiment en GR1 et en 908. Allez, le premier double virage, qui s'appelle d'ailleurs le premier virage ici, c'est un double droite qui se referme avec une grosse réaccélération. Après, on arrive dans les S, donc cet enchaînement de virages gauche-droite, ici il va falloir bien maîtriser la Peugeot parce qu'elle a tendance à glisser énormément. Longue courbe à gauche ici, tout en montée, c'est ici que Jules Bianchi est sorti. Nous avons ce virage ici qui semble interminable, il va pouvoir y avoir des dépassements. Ensuite on est sur un double droite ici, on arrive sous le pont, on va arriver sous le virage le plus lent du circuit avec ce virage à 90 degrés quasiment sur un virage gauche. Ensuite on est sur une grosse montée ici, pas de surprise, on accélère plein fer et ensuite on va arriver sur le fameux spoon qui est un long virage gauche ou un double virage, ça dépend. Si on rentre très tôt dans l'apex, il va falloir lâcher les freins, reprendre l'accélérateur mais attendre vraiment la sortie du virage parce qu'on peut glisser. Ensuite ici c'est la plus longue ligne droite du circuit. On va arriver sur une courbe qui va se prendre quasiment à fond pour la plupart des pilotes, qui est le 130R ici, voilà. Et on arrive sur la dernière chicane, la chicane de Casio. Gros freinage, passage vraiment très très lent avec ce droite-gauche. Attention à la sortie du virage, vous avez l'entrée des stands qui est sur votre droite. Voilà, on vient de faire un petit tour animé sur le circuit. On va aller sur notre course. Hop, je lève juste ma petite animation. On est sur la course et on va pouvoir partir sur ce tour de qualification. Attention messieurs, préparez-vous pour le tour de qualif. Je le marque. Hop, attention. Tu peux le marquer toi aussi si tu veux. Départ, tour qualif. Non, comment on dit tour ouais, mais ça s'appelle comment? Un tour de... Tour d'honneur. Un tour d'honneur, voilà, merci. Tac, tac, tac. Donc, je vous rappelle... Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Bah, rien, c'est pour ça que tu es là. Tu sais que dans toutes les... J'écris en plus vite que toi. Attends, ça, bah ouais, j'écris à la manette. Allez, c'est parti pour le tour d'honneur. Tous les pilotes sont en piste. On va lancer cette course. Voilà, installez-vous confortablement. Profitez du spectacle, c'est parti sur cette poule excellence, il est 21h06, on a 1h30 de course devant nous, un peu plus parce qu'il va y avoir ce tour d'honneur. On fait de gros bisous à la Bad Vroom qui est là aussi, qui dit courage à sa famille, à ses proches, bien évidemment. Voilà, et voilà, on vous salue tous. Laure aussi qui est là, Sabrina qui nous dit une grosse pensée, à Cracotte, surtout à la femme de Raphaël, oui. Voilà, qui est à Jérôme aussi qui est là de la T3GT, qui nous dit bonne course et bon casse, merci mon GG. Allez, c'est parti. Donc, on vous rappelle, tour d'honneur, toc. Moi, j'aime bien afficher les idées en ligne des pilotes. Allez, c'est parti. On va pouvoir découvrir pendant ce tour d'honneur la livrée des pilotes. On est sur le pilote Richie ici.
pilote qui est repassé indépendant avec une voiture haute en couleur. On a Mika de la DDP avec la fameuse livrée, le numéro 28, le team manager de la DDP, pilote et aussi caster. Il fait tout dans sa team, ce gars-là. Oui. La PRT avec Seb ici. Voilà, la PRT. La Phoenix Racing Team, nouvelle team. Matt 07 ici avec le numéro sur la voiture. Vous découvrez la livrée THR Juventus, le numéro 93 de la THR, livrée toute rouge aussi. KCFR Ludo, ouais, c'est vrai. La KCFR avec Ludo ici, le numéro 46, c'est ça, tout à fait. Suivi de Max aussi pour la KCFR numéro 25. Numéro 25. Tu sais quoi, tous les débuts de course devraient se faire un tour comme ça parce que je trouve que c'est un côté. C'est vachement calme. Ouais, c'est solennel même. La Sportec avec Jouge ici, hein, qui partira 8e. Moms. Ah, avec. Comment il s'appelait dans Dragon Ball Z derrière. Satan Petit Cœur. Il y a le Punisher sur le côté. Ouais. Voilà, ça, c'est pour la livrée de. Ah, il y a Taz aussi devant. Flo pour la KCFR qui partira en 10e position. JP's, 11e position. Attention au petit contact. Le pilote de la LCR. La on LC... finit avec Silver. Ah, les Cinglés Racing Team, ça veut dire la LCR, tu vois. Et on finira avec Amiral Narcos. Ici. Voilà, donc tous ces pilotes réunis ce soir en file indienne en la mémoire de Raphaël, où que tu sois, mon Raphaël, j'espère que tu vois et que tu regardes et que tu vois que la communauté ne t'a pas oublié. Et moi, ce que je vous propose, c'est de finir ce tour avec une petite minute de silence en la mémoire de Raphaël. Allez, c'est parti, le ton est donné pour cette course avec Richie qui s'élance, le premier à avoir franchi la ligne de départ, suivi de Mika de la DDP en deuxième position. On a Seb pour la PRT, toujours troisième. Juventus de la THR, pour l'instant tous les pilotes qui ont respecté le départ lancé. C'est maintenant que la course commence. Matt ici en cinquième position derrière, pas de position qui ont changé. On a toujours Max pour la KCFR en septième position. Oh, attention, ouais, il y a Moms qui a fait une sortie. Ouais, Moms ici qui s'est loupé à l'entrée DS, qui a fait une sortie et qui se retrouve à la bataille maintenant derrière pour conserver cette 11e position. Et attention à Narcos qui. Oh là, Narcos qui a failli perdre son véhicule et qui se retrouve 12e pour Narcos. On est parti avec des pneus durs. 11e position pour Moms ici. On est en pneus durs aussi, tous les pilotes qui ont quasiment choisi de mettre les gommes les plus dures dans ce départ. Ludo pour la KCFR, on a aussi des pneus durs. JP's, on est aussi en pneus durs. On a des pneus durs de partout avec la KCFR, avec Flo. Alors qu'il y a déjà un petit groupe de pilotes qui s'est formé. Jouge, un pneu dur aussi. Max pour la KCFR, pneu dur aussi, qui est là très menaçant sur Matt, qui va peut-être passer à l'intérieur. Matt qui va essayer de résister. Non, ça passe dans Spoon. Attention, ça élargit, ça sort pour Max. Ouais, Max ici, la sortie. Aïe.
Il était. On va revoir ce qui s'est passé. Cher. Voilà, il va se retrouver dernier. On va revoir ce qui s'est passé pour le pilote. Il était en fait à l'extérieur. Et là, il n'a pas pu faire pivoter cette voiture. Et à la réaccélération, on sait qu'elle est sur des œufs. Et là, c'est Holiday on Ice pour le pilote. Allez, on va revenir en tête de course avec notre Richie National qui, pour l'instant... Il y a une bataille entre, pour la cinquième position entre Flo et Jouge. Ah ouais, Jouge ici qui prend peut-être le meilleur sur Flo. Ouais. Attention, dans le premier virage ici à l'extérieur, c'est très difficile. On va essayer de croiser peut-être pour Jouge. Oh, c'est pas évident ici de rester alors qu'il va y arriver ces fameux S. Qui ne sont pas les S de Senna, mais les S de Schumacher. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et la Bad Vroom qui nous dit merci pour ce petit tour. Il faudra remercier la IVRT parce que c'est eux qui sont à l'origine de ça. Allez, Jouge ici en 7ème position, Malolo. Tous les pneus passés, à part Matt qui est en tendre. Et la bataille pour la 3ème position entre Mika et Juventus. Ouais, Mika, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est la caméra qui s'est... Et Mika qui vient de perdre une position. On va revoir ce dépassement. Merci, Malolo, d'avoir été réactive. Mika qui était troisième et on voit Juventus ici à l'intérieur. On va arriver sur ce virage en épingle à l'extérieur ici. Et un bonhomme, on vient de s'imposer au freinage et prendre cette... Un pneu médium en plus, le pilote, face au pneu tendre de Mika. Oui. Et mince. Faudra vraiment que j'écrive à Polyphonie pour qu'il aime ce bug. Allez, Juventus ici, le numéro. Il n'y a 4. Pas une mise à jour demain? Oh, il y a une sortie, Seb qui est sorti. Il y a peut-être une mise à jour demain, mais je pense pas qu'il aime le bug. Qu'est-ce qui nous a fait notre ami Seb là? En deuxième position, on arrive dans le 130R. Ça, la petite roue, elle pardonne pas cette voiture. Ah, ça l'a surpris le pilote, mais elle ne pardonne pas cette voiture dès qu'on met une petite roue dans l'herbe. Ouais, et la bataille entre Juventus et Mika encore pour la deuxième et troisième position. Ouais, Mika qui a pas dit son dernier mot, le pilote de la DDP qui reste collé dans les échappements. Ouais, la sortie de Mika ici peut-être a été démentée, le dirty hier. Attention, Mika qui rattrape son véhicule. Wow, le encore une sortie, c'est difficile en ce début de course alors qu'on a choisi de mettre les pneus tendres pour Mika. Attention à pas surconduire mon Mika. Pour l'instant, toujours. Et Maxime qui sort des stands. Toujours 2 secondes d'avance pour le pilote de la DDP. Ouais, ça sort devant. C'est sorti. C'est sorti pour Juventus. Attention, Mika peut-être qu'il va reprendre sa position. On va revoir ce qui s'est passé pour Juventus. Qu'est-ce qui nous a fait le pilote alors qu'il avait fait le meilleur, il avait réussi le meilleur et il est sorti là. Et Mathias qui sort aussi dans les graviers. Il est en quelle position le Mathias? En 4ème position. Hop, on va revoir ce qui s'est passé pour Mathias. Difficile ce début de course pour les pilotes là qui se font peut-être surprendre par la qualité de grippe. Ouais, Mathias il a... En fait c'est une petite sortie tu vois mais avec de grosses conséquences. Il n'a pas pu vraiment maîtriser son véhicule. Elle a l'air de ne pas tourner, cette voiture. Et Ludo qui a l'air d'être sorti aussi. J'ai vu que la fin, j'ai vu que quand il revenait. Alors, je ne sais pas s'il sortait des stands ou... Ouais, c'est possible. Allez, on va faire un point, si tu le veux bien, Malolo, sur ce début de course avec Richie qui caracole en tête. 11 secondes déjà d'avance pour le pilote. Oui, et avec le meilleur tour en 1.48 de 159. Ouais, il a réalisé son troisième passage derrière la Juventus qui est menacée par la DDP. Enfin, la Juventus, non, la THR, mais bon. je voulais faire un jeu de mots avec Mika, mais j'ai pas trouvé, tu sais, je voulais dire la Juventus menacée par le Bayern ou un truc comme ça, mais non. Je me suis trompé. Par le Milka, au pire. Par le Milka, ouais, au pire. Allez, Mika ici qui revient fort, là, à moins d'une demi-seconde. Allez, le Mika qui s'accroche. Aïe, il trouve son rythme de course. Le pilote de la DDP ici qui va peut-être faire le spectacle dans ce début de course et qui va chercher la deuxième position détenue par le pilote belge de la THR.
Ah mais c'est dur pour moi, attends, c'est un pilote belge qui y a marqué Juventus, c'est l'Italie la Juventus. Et ça y est, Mika qui a lâché, non. Il a un secteur favori, Mika, c'est l'entrée DS, là, après le premier virage. Mais il a un secteur qu'il n'aime pas, c'est dans toute la grande montée. Il se fait distancer, alors que derrière, Matt, maintenant, est sous la pression de Seb, qui est revenu pour la cinquième, la quatrième position. On est à moins d'une seconde pour les deux pilotes. Et on va mettre la pression gentiment avec ses pneus tendres sur Matt, juste devant. Qui est aussi un pneu tendre. Allez, vous êtes dans l'aileron arrière de la voiture de Matt, alors que vous voyez Seb ici derrière qui est sorti. Ouh, ça a été chaud pour Seb ici dans Spoon. Il a failli perdre l'arrière. Et du coup, ça donne un peu d'air à Matt qui peut respirer avec une seconde 7. Et ouais, du coup, Seb qui se retrouve au loin. Attention là, le 130R, parce qu'en général, quand on a les pneus sales, ça glisse ici. Non, ça va, ça passe à plus de 280 km/h. Je vous le disais, hein, ces voitures qui ont quasiment rien envié à une Formule 1. Tellement il y a de la puissance. Et le meilleur tour en course a été battu par JP's en 1:47.906. Alors tu vois ma Lolo, mets-toi sur la voiture de Seb et regarde sur la télémétrie en bas le passage de rapport de vitesse. Voilà, une chose que je voulais préciser, cette voiture, le pilote de la PRT ici, cette voiture elle a tellement de couple, elle a tellement de puissance qu'il faut vraiment faire ce qu'on appelle du surshift, c'est-à-dire que tu passes la vitesse avant même que les tours moteurs soient engagés pour passer l'autre vitesse. Ça te permet de passer la puissance sans que les roues arrière ne glissent. Voilà, et regarde la différence de Seb par rapport à Matt qui lui ne le fait pas. Matt il passe les rapports beaucoup trop haut, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de glisse engagée et beaucoup moins de grip. Et là Seb, ben, c'est pour ça qu'il arrive à remonter sur le pilote ici et à se retrouver à 4 dixièmes. S'il ne fait pas d'erreur, attention au dirty air. Le dirty air c'est l'air sale hein, en français. Quand tu es ces voitures, elles ont tellement d'appui aérodynamique, elles sont tellement faites pour casser le vent, tu vois, que quand elle se retrouve derrière une voiture, ben le vent n'a plus de force et donc tu perds l'avant ou l'arrière en fonction et tu perds de la stabilité. C'est pour ça que c'est très difficile de rester derrière comme le fait Seb, là, derrière le pilote. Et là, il va pouvoir mieux sortir de Spoon, peut-être sur une accélération. Attention à la glisse, regarde le passage de vitesse toujours, mi-régime, on est déjà en quatrième. Ouais. Et en plus, elle a tellement de moteur, cette voiture, que tu peux même le passer quasiment au tout début de ta zone. Et franchement, elle accélérera aussi fort. Et le meilleur tour en course a été battu par Flo de la KCFR. Allez, Flo de la KCFR. 1:47.488. Et ouais, mais Flo de la KCFR, il est 7e. Il a le feu aux fesses parce que derrière, il y a Jouge qui est à une seconde du pilote en 8e position, qui lui met gentiment la pression. Ouais. Et il y a le bedroom, Stéma, si tu veux parler des 24 heures de légende. Écoute, fais-le sur le live parce que j'ai plus les dates. Je sais que ça arrive bientôt. Tu as mis une notification, mon Nico, sur Facebook. J'ai vu ça tout à l'heure, vite fait. J'ai plus les dates, j'ai plus les combos, mais je sais que ça sera 24 heures. Moi, j'en fais une grosse partie. Je serai en co-cast avec le Woob. Et on vous a prévu, d'ailleurs il faut qu'on se mette à le travailler ce live, on vous a prévu une petite surprise. Mais si tu veux mettre le lien Facebook et parler de ça, mon loulou, n'hésite pas. 24 heures de légende, j'ai plus malheureusement les dates en tête. Et Flo qui a encore battu son record en 1:46.397. 1:46.97 pour le pilote de la KCFR qui est toujours en 7e position. 397, pardon. Flo qui est en 7e position et qui menace JP's, le pilote de la LCRT, les cinglés Racing Team ici. Sous la menace, on va faire une petite remontada si tu veux bien. On a toujours Narcos Amiral en 12e position qui pointe à 16 secondes. Ah oui, on n'a pas les mêmes noms. Ah, moi j'ai mis les idées. Qui pointe à 16 secondes de Ludo de la KCFR, le pilote belge ici, le numéro 46 avec ses pneus médiums. Moms en 10e position. On a Max de la KCFR, 9e, en pneu tendre. Tous ces pilotes ont fait le choix
tous ces pilotes ont fait le choix de passer leur pneu dur, pardon. Je te laisse faire la remontada, Malolo. Du coup, en 8e position, on a Jauge, qui est en pneu tendre aussi. 7e position, on a Flo de la KCFR en pneu tendre. En 6e position, JP pour la LCRT. Et JP, tu vois, il a une mauvaise position, lui, parce qu'il est chassé et chasseur. Donc ça, c'est pas évident. Et du coup, si t'es chasseur et chassé... Ouh, dur à dire. C'est compliqué. Ouais, c'était dur. On a Seb en 5e position, qui a des pneus tendres lui aussi. Et qui se retrouve à 4 dixièmes de Matt. Matt qui est sous la pression de 3 pilotes qui reviennent comme des fous, là. Du coup, vu que j'ai changé les noms, ça m'a perturbé. Ouais, moi j'appelle Matt. Donc Matt en 4e position qui a un pneu tendre aussi. Mika de la DDP en 3e position. Qu'a lâché hein, sur Juventus. Ouais. Juventus en 2e position. Et Richie en 1ère position avec 16 secondes d'avance. Et Richie, il a le vent en poupe. Lui, le leader ici, 16 secondes d'avance avec ses pneus tendres. Il joue sa carte tout de suite d'entrée de jeu. Pourquoi pas finir après la course en dur sur un tour, par exemple. Pourquoi pas. Ouais. On le saura dans une heure et demie maintenant. Attention au vent, messieurs. Attention au vent, ça se rappelle des souvenirs. Certains pilotes qui regardent le live se reconnaîtront. Oui, donc je disais, le Richie, tranquillou, le coude sur la portière, c'est très régulier. En 47,6, 47,8 de moyenne. Ça tourne fort, 16 secondes d'avance sur le leader. Pas d'erreur pour l'instant pour notre ami Richie, qui améliore ici même sa marque de 4 millièmes sur un secteur. Voilà, là, à ce stade-là de la course, pour le leader, il faut rester concentré, rester dans sa course, pas faire d'erreur, ne pas surpiloter, hein, ça ne sert à rien. Regarde, il prend quand même du temps sur Juventus derrière. Et Juventus, lui, pareil, il est assez tranquille. Il peut se concentrer sur sa course. Il tourne nettement moins vite que Richie, puisqu'on est quasiment à 2 secondes de retard par tour. 4, 5, 6, c'est la guerre. C'est non, ça. 4, 5, 6, nous irons au bois. C'est ça. Mika en 3e position. Il tourne aussi un peu plus rapidement, un peu plus lentement. Pardon. Par contre, on le disait justement, 4, 5, 6, c'est la guerre. Entre Matt qui doit résister, mais comme un fadoli, comme on dit à Marseille, aux deux Indiens qui arrivent derrière. Il y a un fadoli. Oh, une erreur, une petite glissouille. Le coup de raquette ici de Seb qui a perdu le contact du coup avec Flo. Flo qui met toujours la misère à Matt devant. Voilà la sortie d'erreur de Matt. L'erreur de Matt ici sur un freinage. Attention, oui. Il a perdu une position. Flo en profite. Ah ouais, Flo il est passé et derrière, oh, c'est Seb ici en difficulté. Elle est difficile à faire tourner cette voiture. Là aussi, il faut régler la balance des freins. C'est un peu compliqué parce que tu peux régler les freins à l'avant ou à l'arrière pour faire mieux pivoter l'avant ou l'arrière de ta voiture sur les zones de freinage. Seulement, après, il y a la consommation qui rentre en jeu, la consommation des pneus. Si tu as une conduite agressive avec du survirage et que tu mets tous tes freins à l'avant, ben. Tu fais 10 tours et t'as plus de pneus, tu vois. Donc voilà, les pilotes qui doivent jongler entre adhérence et usure, consommation. Pas évident. Ce véhicule, il est là pour ça. Alors que devant, pour Matt, depuis que Flo est passé, on a lâché. Flo, 2 secondes maintenant d'avance. Mais du coup, Flo, il est soutenu parce qu'il y a Milo qui est avec lui en direct live à la maison. Tant mieux. C'est ça qui nous dit que c'est la guerre. Parce qu'il a les infos en direct live. Ah oui. Ouais, Flo qui est revenu sur Mika. Mika qui a dû faire une petite erreur. Attention, Flo à l'extérieur, ça va être compliqué ici de rester en piste pour les deux pilotes. Attention, messieurs, cette voiture est capricieuse. Et attention, la bataille peut virer au drame pour un ou l'autre des pilotes. S'il y a une mésentente, Mika qui protège son intérieur ici, on va essayer de croiser pour Flo. Allez, Mika qui a glissé en sortie, vous le voyez en haut de votre écran. Et on va se mettre en embarqué comme si on était avec Milo à côté de Flo. 7, 8 et 9. Ouais, tiens, nous est formé. Mika ici qui fait une erreur. Mika qui a fait une erreur. Ouais, Mika l'erreur et qui laisse passer Flo pour cette 3e position. Mika, le petit coup de raquette derrière et qui perd.
l'avantage de cette troisième position. Flo va pouvoir tracer sa route maintenant. Alors tu me disais derrière, petite bagarre. Entre 7, 8, ouf, 9 et ah ouais. Jouche qui passe devant JP. Ah, il a dû avoir une pénale, là. Il est à l'arrêt JP. Non, j'ai pas vu de pénale. Eh ben, ou alors il a fait une erreur en sortie parce que là il vient de perdre deux places. Il était à l'arrêt et on l'a vu en direct. Deux pilotes qui sont passés comme une fusée. Et il y a Jean-Pierre qui vient de rire. Bonsoir mon Seba, bonsoir Lolo, bonsoir. Salut, à Jean-Pierre. Tous, vous allez bien? Ça va mon JP et toi? Merci de venir faire un coucou sur la télé de Stéma. Et on te traite de fou Stéma. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça se bat aussi devant Max avec Jouge ici. Max, ouah Max! Ouais, c'est le karma du caster. À chaque fois que je vais sur une pilote, il sort. Ouais, Max, là, la réaccélération, le contrôle. Et JP qui reprend son dû. Alors, on va voir pourquoi il y a eu cette erreur de Max là, à l'entrée. Allez, le replay là. Non, il est rentré trop fort. Et après, réaccélération sur ce que vous voyez, les petites boulettes de gomme par terre. On appelle ça du greening. C'est les petites boulettes de pneus que les pilotes mettent sur la piste lorsqu'ils passent. Et quand on roule sur ces boulettes de gomme, comme les pneus sont chauds et que ces boulettes sont froides, elles viennent se coller sur le pneu et tu perds de l'adhérence. Donc à la réaccélération, ça glisse énormément. Allez, Max ici qui profite de l'erreur de JP's pour reprendre cette 8e position. Mais on a failli frapper, on a vu. Le coup de raquette, qu'est-ce qu'elle doit être? Elle a l'air très très difficile à piloter cette voiture. Et Flo qui rattrape tout doucement Juventus en deuxième position. Il n'y a plus que 5 secondes d'écart. 5 secondes, il allume en violet le pilote de la KCFR ici. Ouais. Attention pour le meilleur tour en course peut-être, on va le suivre. Alors qu'on a vu derrière, il y a un petit combat entre Mika et Matt. Et Seb aussi. Et Seb, les trois, on va aller voir. Juste, on passe la ligne pour voir si le meilleur tour en course déjà réalisé par Flo va être encore battu. Ouais, là, il a les couteaux entre... Eh, c'est fait pour Flo, une 46-209. C'est fait pour Flo. Allez, on revient derrière avec la DDP qui est maintenant menacée. Attendez, excusez-moi, je lève le bug d'affichage. La DDP qui est menacée à une seconde maintenant par Matt, qui est lui-même menacé par Seb. Seb qui se retrouve. On ne voit rien avec cette vue de caméra. On va se mettre comme ça. Hop là. Allez, Seb qui se retrouve, le pilote de la PRT, à moins de 4 dixièmes, 3 dixièmes maintenant. Attention, on est dans les S. Ouais, difficile, Mika qui s'est manqué devant, Mika qui s'est manqué à l'entrée des S. Et c'est Matt qui revient. Et c'est Seb aussi. Ouais, trois pilotes là, vous le voyez, un combat à l'intérieur. Attention, Matt qui a essayé de rentrer dans le petit trou de souris laissé par Mika. Mika qui a fermé la porte. Mika qui doit regarder dans ses rétros et qui rate ses trajectoires. Attention, l'entrée de Mika, ça se passe bien. Les affaires de Jouge qui revient aussi sur le trio. Ah ouais, Jouge qui est là, il est pas loin. Regardez, Jouge, il est un spectateur. Là. C'est sorti large. Ouais, un petit peu. Bon, attention là devant, le freinage. Messieurs, ça sent la catastrophe là, je sais pas pourquoi, mais ça s'échauffe un peu, on voit. Mais j'ai l'impression qu'elle est très très difficile à maintenir en piste, cette voiture, parce que t'as tous les pilotes qui sont dans tous les sens là. Et Flo qui est plus qu'à 2 secondes 6 de Juventus. Hein. Ah ouais, il remonte fort, il remonte très très fort. Ouais, mais là, s'ils nous font ça, on sait plus où donner des yeux là. Parce que là, Mika, regardez en vue arrière comme ça, il est plus que menacé, le Mika. Ah bah, il a trois sauvages derrière avec les dents sorties là, les ailerons. Oh, le freinage de Seb ici. Ouh, on a failli surprendre Matt. Et il y a la Bad Vroom qui dit c'est fou comment les joueurs manettes récupèrent les voitures comparées au volant. Ah ouais, tu le peux volant pas. Avec le retour de force. Ouais, tu peux pas. Je le prends dans les mains. Pour avoir essayé. Après, c'est plus facile aussi de perdre une voiture à la manette qu'au volant. Hein, ça. Oui. Ça prévient le volant alors que la manette, ça prévient pas. Allez, on reste toujours dans ce combat avec Juge ici qui va peut-être être le juge de ce combat. C'est un jeu de mots, c'est plutôt avec un jeu de mots. Parce qu'il arrive très très fort et va-t-il trouver lui l'ouverture là où les autres, ça fait quelques tours maintenant qu'ils ne l'ont pas trouvé. Attention parce qu'il y a Seb ici qui est très menaçant. Et Flo qui a moins d'une seconde de Juventus. Et il est où Seb? Ah mais il a fait une erreur Seb là. On va revenir sur Flo. Seb, il a fait une erreur. Il était là. Et maintenant,
sixième position. Qu'est-ce qui s'est passé dans les restes? Ben oui, il était tout droit. Et là, c'est quand on est beaucoup sur la piste comme ça, impossible. Et on perd énormément de positions. Du coup, on va retourner sur Flo. Tu me dis qu'il est très très bien. Ça y est, il a fait le contact. Le contact de Flo. La KCFR ici. Bon, alors que et ça se bat à tous les niveaux. 6 secondes d'écart quand il est passé à la troisième position. Ouais, c'est clair. Attends, là, je vais sur le combat aussi parce qu'il y a Jouge. Lui, tu vois, je te l'ai dit, il a pas fait dans la dentelle. Après avoir passé Matt, il a passé Mika. Il se retrouve en quatrième position, le pilote, à 15 secondes de Flo. Et Flo, maintenant, qui va s'occuper de Juventus pour la deuxième position. Alors qu'on aurait presque oublié le leader. Hein. Toujours Richie. 20 secondes d'avance. Ouais, ça trace. Hein. Une 48, là, c'est normal avec plusieurs de pneus, mais ça trace. Allez, on revient sur Flo ici, qui se fait de plus en plus menaçant sur la THR. Juventus qui en a plein les rétros. Dans les S, ici, on ne peut pas faire grand-chose. C'était chaud. Ouais. Frôler la correctionnelle, ça doit être très difficile de rester derrière un pilote. Ici, réaccélération sur des œufs pour le pilote de la KCFR. Le freinage ici. Attention, bien rester en ligne. Ne pas mettre de roue dans l'herbe sur toi. Allez, peut-être une chance là-bas, au freinage. Ouais, non, il n'a pas pu passer la puissance au sol. Ça ne sera pas pour ce coup-là. Allez, ici, on est très menaçant. On va se mettre en caméra embarquée. On va voir comment on va réagir le pilote. On sort mieux là de la courbe. Petite aspiration de prise sur Juventus. Peut-être pour un décalage dans Spoons. Ah, ça fait droite-gauche hein, du côté de Juventus. C'est pas évident. Elles sont larges, ces voitures. Et le circuit n'est pas trop large. Deux trajectoires complètement différentes. On a sacrifié l'entrée de virage pour Flo, pour profiter d'une meilleure accélération. Alors qu'on a fait l'inverse du côté du Juventus. Mais pour l'instant, statu quo, on n'arrive pas à passer du côté de chez Flo. Peut-être ici, un freinage sur Casio. On va passer le 130R ici à fond les ballons. 294 km/h. Le freinage ici. Ouais, ça a freiné trop tard. Ça a freiné trop tard pour Juventus. On va revoir cette action. Juventus qui a freiné trop tard pour pouvoir maintenir. On va le voir ici. Flo derrière lui, il a craqué sous la pression. On a regardé dans les rétros. Et là, on va arriver sur le Casio. On freine trop tard. La bataille entre Mika et Matt. Entre Mika, Max et Matt. Oh, ça fait trop de... Mika, Matt, Max. Trop de M. Ah, Mika, Matt, Max. C'est Mika, Matt, Max. Alors que là, tous les pilotes qui sont en full engine, hein, quasiment, jusqu'au 9e. Allez, en relevant ce bug d'affichage. Allez, JP, 9e position. Il y a Milo qui dit... le leader, il a pris le jet. Je ne spoil pas, vous êtes en retard sur moi. Eh oui, non, ça mais va passer. En fait, au moment où tu écris, nous, ça fait déjà 30 secondes qu'on a vu l'action. C'est ça. Eh oui. Mais toi, tu as 30 secondes de retard sur ce qu'on dit, c'est ça en fait. Non, c'est pas lui qui est en direct avec Flo. Mais oui, mais quand il regarde Flo, nous aussi on le voit en direct. Mais le temps que Milo, il a nos commentaires, il s'est passé 30 secondes. Donc il croit qu'on est en retard, mais en fait on voit la même chose en même temps. Oh, et Max qui sort. Oh, bien vu. Ouh. Il est pas sorti qu'un peu le Max. Vite, on va faire un petit replay sur Max pour voir ce qui s'est passé. Max qui était en 5e position. Le pilote de la KCFR ici. À la réaccélération. La réaccélération, il perd l'arrière. Ouah, où il est allé s'encastrer. Et il y a gars, il a la main dans les poches, il le regarde, il dit « Mais quel blaireau, alors, pourquoi tu as fait ça ?» L'autre, il le prend en photo. Non, mais ça me deck. Non, tu n'as pas 30 secondes d'avance, c'est qu'en fait... Enfin, oui et non. Elle voit la même chose que nous, mais elle entend nos commentaires, il ou elle. 30 secondes après. 30 secondes après, c'est ça. Puisque c'est la différence qu'il y a entre le live... Oui, parce qu'il y a 30 secondes entre la réalité et le live. Exactement.
C'est le temps que les informations soient envoyées sur YouTube, qui vérifie qu'on ne parle pas de choses qui ne conviennent pas. Et Mika qui a 0,5 secondes de pénalité. Ouais, à l'entrée des stands. Max dans les stands, ouais. Mika dans les stands, Moms dans les stands, Seb en 11e position. Que va faire le pilote? Il a encore du pneu, il a encore la possibilité de rouler. On oui. roule à l'écho. Et non, ça ne rentre pas dans les stands pour Seb. Narcos non plus. Et Richie, alors lui est toujours le et coup du de... coup, c'est elle. Du coup, c'est elle. Merci Milo. T'aurais dû mettre Mila. Au moins. Au moins Mila. Mais c'est... J'aurais dit elle. Parce que Milo, c'est quoi? C'est le. C'est qui? Mélanie? Non, Mélanie, ça serait Mel. Non. Mélodie? Ça serait Mélo. Alors. Mais non, mais ça doit être le tube de son chéri. Mais non, son chéri, c'est Flo. Eh ben. Il peut avoir deux noms différents. Ah bien sûr, il a deux comptes. Bah non, il a un compte YouTube qu'il a peut-être créé avant de ah. ou après. C'est compliqué. Hein. Et salut à l'LPR, à Yuna qui nous dit salut Stéma, salut tout le monde. Et go Jouge. Jouge, il s'en sort bien, hein. Il est à 3e position. Ouais, 3e position, mais il remonte comme un boulet de canon sur Juventus. Ouais, bah... Là, il s'arrête au stand, mais regarde Flo qui a repris quand même un peu 3 secondes sur Richie. Sur Richie, bon, ouais. Il y avait 21 secondes, hein. Il y a encore 18 secondes d'avant. Il a encore 18 secondes d'avance. Ouais, mais regarde Flo, mais... ça tourne en 46,7 avec des pneus tendres ouais. usés. Avec la même usure et la même essence, on tourne en 48 pour Richie. Ouais. Donc là, le leader qui a du souci à se faire parce que derrière, il arrive les pilotes au dents longues avec Flo et Jouge aussi. Hein, faut pas l'oublier, le pilote de la Sportec ici. Oui, qui... puis là, il va perdre du temps parce qu'il va commencer à arriver sur les retardataires parce que je vois qu'il arrive devant Amiral. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est que Jouge roule un peu plus fort que Flo, mais consomme un peu plus d'essence. Ça va jouer sur une heure et demie de course. Ouais. Juventus qui vient de chausser, c'est dur pour un tour comme ça, on s'en sera libéré. Débarrassé. C'est clair. Et après, sûrement, il va partir en médium, le pilote, à suivre. Mais je pense que ça va être sa stratégie. JPs pour la LCRT, les Cinglés Racing Team. Avec un petit quart de réservoir d'essence, des pneus encore frais. Ça tourne à 1,50, on est 5e. Matt en 6e position avec ces combats qu'on a eu il y a quelques tours. Pointe à 1 seconde 3 de JPs devant lui. On est en 6e position. Ludo de la KCFR, 7e. Tourne à 1,48-1,47. Pas mal quand même. Hein. Et du coup, il y a Yona qui dit je ne suis plus à la LPR, j'ai postulé ailleurs. Ah oui, et Milo qui dit non, pas Mélanie ni Mila. Ah, il faut que je devine alors. Si c'est pas Mélanie. Et c'est du le surnom coup, qu'on me donne. D'accord, ok. C'est comme moi, Stéma. Donc, pour l'heure, Mika, il est où? Il est en 10e position. Ouais, je fais une descentada là, donc on va le voir. En 8e position, on a Seb de la PRT avec son meilleur tour en 1,47-936. On a des pneus tendres, usés. Alors lui, tu vois, il consomme plus de pneus que d'essence. Il roule à l'écho au niveau de l'essence parce qu'on voit qu'il shift à mi-régime. Mais par contre, il doit être un peu trop agressif. Soit c'est un joueur manette, soit c'est un joueur volant un peu trop agressif. Parce que les pneus, là, ils sont en souffrance. Pourtant, ah, il a le... Savoir. Tu vois le SCT d'allumé sur la télémétrie, là. Il a LED activé, donc, parce qu'elle glisse pas mal, cette voiture. Max, lui, on a des pneus tendres, tout neufs. On vient de sortir des stands. On n'a pas de SCT d'allumé pour Max, on y va en bonhomme. Notre Mika National en 10e position, on vient de chausser les médiums après un relais en tendre. Meilleur tour, une 48-954, le médium pour lui. Le SCT d'activer pour contrôler la vélocité de cette voiture. Amiral en 11e position, on n'a plus d'essence, on va peut-être rentrer dans les stands sur ce tour-là. Et Moms en 12e position, on vient de sortir des stands avec des pneus neufs. Pas tout à fait le plein d'essence. Et le SCT aussi d'allumé. Notre Richie National toujours en tête. Lui, il est tranquillou. Hein. Il les a fait durer cet ambre. Ouais. Et donc du coup, Milo, c'est Mallory. Et elle nous dit de ne pas nous disputer, mais on se dispute jamais, nous. On se chamaille.
Ouais, ça fait des années qu'on se fait mal. C'est Mallory. Mallory. Alors qu'il nous dit, ok, bon, allez, Loulou, courage. Mais oui, il en a du courage, le Mika. Richie, lui, Et il y a Jeppis qui revient sur Juventus. Ouais, il y a surtout Richie, son avance, elle fond comme neige au soleil, alors que Jouge, cinquième position. Qu'à troisième maintenant. Troisième, parce que les deux autres, mais pourquoi? Il a fait un tour. Ah, ben il est entré dans l'essence, tout simplement. Ah, mais il a pas remis d'essence. Il se sépare des médiums comme ça, d'accord. Ah, lui, il veut faire que Mais la qui? course entendre tout le long. Jouge. Tu vois, il a mis les médiums, mais il n'a pas d'essence. Alors, soit c'est un bug stand et il ne voulait pas, soit il se sépare des médiums comme il se séparera des durs sur un tour pour ne faire que des relais entendre, pourquoi pas. Non, chamailler, c'est gentil. Se disputer, on se prendrait vraiment le bec. Là, c'est gentil, c'est mignon. Mais on ne se chamaille même pas. Non, c'est rare. Richie, c'est un pilote indépendant. Alors, Richie, pour peu que je sache, il faisait partie de la TSR avec moi, la Team Stick Racing. La Team Spirit Racing, pardon, puisqu'elle a changé de nom. Peu après que je sois parti, il en est parti aussi. Après, j'ai pas suivi s'il est retourné ou pas dans une autre team. En tout cas, pour l'instant, il a l'air indépendant. C'est un Toulonnais d'une soixantaine d'années, notre Ricky, avec l'accent du Sud. Et toujours, attention à la sortie des stands. Ouf, ouf. On a frôlé la correctionnelle pour le leader, avec l'accent chantant de Toulon, le Toulonnais, voilà, 60 ans et toujours en beaucoup de volant, hein. Mais cependant là, ouais, flou, attention, les retardataires ici, attention au drapeau bleu, et Jouge qui pointe à 35 secondes du deuxième et à 47 secondes du leader en troisième position. Alors qu'on Mais Flo, il a repris déjà 2 secondes sur le premier. Il tourne fort. Ça y est, Jouge dans les stands ici. On va voir ce que va chausser le pilote. Il passe quatrième ici. Ah, tu vas voir que ça va être détendre. Et du coup, Jouge qui rentre au stand, qui change ses pneus. On va voir ce qu'il va mettre. Ça va être le plein d'essence mais pour lui. Mais cette fois, il fait l'essence. Mais... Ah, on n'a pas vu le ravitaillement, mais il est assez rapide quand même, tu vois. Ah, oui. Si tu veux regarder dans les paramètres du salon. Pendant que. Je sais même pas comment on fait. Faut que je quitte. Non, allez, attends. On sort et on a mis des pneus tendres. Donc, stratégie agressive pour le pilote de la Sportec qui va aller maintenant faire des tours chrono pour aller vider ce plein. Et qui va aller chercher les pilotes devant lui. Attention, il est ressorti dans le trafic. Devant lui, il a Max et Juventus qui étaient des pilotes qui étaient légèrement devant lui. 6 litres par seconde. Ouais, c'est pas mal, 6 litres par seconde. Merci, ma Lolo. Et toi, Lolo, tu es d'où? Je te demande Milo. De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, je dirais bien le sud-ouest, mais j'en connais qui vont dire « Ah, mais non, Bordeaux, c'est pas le sud. » Pour moi, c'est le sud, mais pour d'autres, ce n'est pas le sud. Ouais, c'est presque pas le sud. Hein. Moi, non, tu sais, au-dessus de Aix-en-Provence, c'est déjà le nord. Hein. Alors, je te dis. Hein. Je te dis, hein. Attends, ça se bat devant, ça se bat avec Max ici en prise avec Juventus. Max qui a fort à faire parce qu'il se retrouve une fois de plus dans la position du chasseur chassé. Parce que vous voyez, devant, il a Juventus, mais derrière, il y a le Jouge qui arrive. C'est ça. Mais moi, je suis là où il y a le bon vent. C'est ça. Ah ben, le Coteau d'Aix peut pas dire qu'il rivalise avec le Bordeaux, ça c'est sûr. Hein. Mais il est pas mal quand même en rosé l'été. C'est l'espoir. Allez, Jouge ici. On arrive dans le centre inter. 3 de front. Ouh, ça passe. Attention. Oh, Max ici qui a failli perdre son véhicule. On freine très très tard. Peut-être trop tard pour Juventus. On perd énormément. Tu vois là. Jouge, lui, il a fait pivoter cette 908 pour aller chercher le maximum d'accélération. Le sud-nord. Non, mais là, il n'y a plus rien qui va. C'est le sud-nord. Voilà. C'est comme moi, je suis pas un vieux, mais je suis un jeune vieux, c'est ça. Oh, c'est sorti devant pour Juventus, ouais. L'erreur de Juventus, attention, le contact avec Jouge. On va revoir ce qui s'est passé pour le pilote
de Turin, n'importe quoi. Allez, freinage ici, on arrive dans le, premier virage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a freiné tard, il a oublié de freiner là, il a freiné trop tard. Trop tard, trop de, vitesse engagée dans ce virage et attention, le juge qui est passé. Et on n'a pas vu Richie, il est passé au stand, il a mis des durs, mais il n'a pas remis d'essence. Eh oui, juste pour un tour, il va s'en séparer. Oui. Et ça, les durs. Il rentre au stand. Et là, il va mettre soit des médiums pour faire un gros relais, soit des tendres, s'il a la même stratégie que Juge, pour faire une stratégie agressive. Et du coup... Et Flo, t'as vu où il est sorti? Il est sorti deuxième, à 22 secondes. Il a mis des tendres, Flo. Et là, il va aller à la pêche au chrono, à mon avis, parce que Juge, on n'a rien vu, mais il est venu lui shipper sur une 46. Il a fait une 46-205. Ça y est, Richie dans les stands pour se libérer des pneus durs. Et c'est Flo de la KCFR qui prend le lead de cette course après 40 minutes. Oui, on a eu un van démo, Valérie. Oui. Allez, on va faire une petite remontada. Mais j'étais pas sudiste, alors... Et moi, je suis de l'Estac de Marseille. À 20 mètres de moi, il y a la mer. Donc, je suis vraiment plus du sud que le sud, tu peux pas. Hein. Allez, Narcos, ici, en 12e. Oui, mais toi, à 2 heures de voiture avec le vent dans le dos. Non, elle abuse pas. Mais combien il te faut? Moi, je quitte le live, là. Je vais tremper les pieds dans l'eau. Je reviens avant la fin de la course. Hein? Tu vois? À pied. Ouais, non. De 45 minutes. Ah oui. Moi, il faut 45 secondes pour y aller. Allez, dans la nerf. Plus fort que toi, on se chamaille encore, t'as vu. Allez, Amiral, en 12e position, Moms, 11e. Moms qui pointe à une seconde de tour en deux. Matt, il a dû faire une erreur. On va revenir sur le pilote parce que là, d'un coup, il y a une seconde d'écart entre les pilotes qui a disparu. Le replay fait voir Matt ici. Ça passe. Et Flo il a fait l'erreur. Il a du bord violet. Sur un freinage. La Rochelle, moi j'ai quand même 2 heures de route. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que c'est beau, la Rochelle. Moi j'adore aller à l'aquarium de la Rochelle. Ah ouais, c'est clair. Ouais, et Flo qui reprend le meilleur tour en course en 1:45-940. Ouais, gros chrono. 83, de Flo. Pardon. Même l'île de Noirmoutier et tout ça, c'est super joli. Allez, la bataille entre Seb et Max. Ouais, on va y venir. Mika, la DDP en 9e position ici, qui pointe à 12 secondes 8 de JP's. Ouh, c'est qui sort. Ouais, JP's aussi en même temps. JP's qui sort. Ouais, mais du coup, Seb, il a emmené avec lui. Jouge. Ah, ouais, d'accord, les deux pilotes dans le gazon. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir cette action. Donc, on attaque les S ici. Freinage. Ici ça passe. Accélération. Ah on était. Ah mais il a plus de pneus. Il a plus de pneus. Le pilote est allé trop loin. Alors, il est loin ce replay. Où est-ce qu'il sort? On la réaccède ici. Alors qu'il y avait Jouge derrière. Donc j'ai dû rater sa sortie. J'ai raté sa sortie au pilote. Il est dans les stands maintenant. Allez. Non, donc Mika qui a repris la 8e position. Le pilote de la DDP. On a JP's devant qui avait fait une petite sortie au moment où Seb l'avait fait. On se retrouve 7e à 6 secondes de Jouge. Jouge, 6e position pour lui qui entame sa remontada. Stratégie agressive. On s'est séparé des médiums. Et on attaque avec des pneus tendres. On arrive à une seconde de Ludo pour la 5e position. On va rester un peu sur ce pilote parce qu'il va y avoir un combat là. Ça revient très 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 fort du côté de la Sportec. Et ça. Qui c'est qui roule sur... T'as dit que qui roulait sur la ferraille? Rouler sur la ferraille Avait des pneus morts. Parce que moi je vois... Maintenant il est dans l'instant. Mais quand j'étais sur le replay, il avait les 4 pneus dans le rouge. Vif. C'était Seb, je crois. Celui qui est sorti.
Allez, Jouge, une seconde. Maintenant, Jouge, ici, qui va mettre la petite pression, qui va bien, sur le pilote de la KCFR devant, pilote belge. Et donne-nous l'écart entre Richie et Flo, pour voir un peu. Oui, monsieur. 19 secondes. 19 secondes. On va voir si l'écart grandit. En tout cas, il y a un écart qui diminue, c'est celui de Jouge sur Ludo. Le pilote de la KCFR ici qui a fort à faire parce qu'il voit revenir Jouge, mais alors comme un boulet de canon, 5 dixièmes. Alors maintenant, il faut le passer, ça. Le plus facile, c'est de remonter après. On le voit hein, quand on se met en caméra embarquée ici. Et voilà. Ou passer, s'il n'y a pas une erreur du pilote devant, c'est pas évident. Pas évident du tout, du tout. Alors, on va rester un peu sur ce combat qui s'engage entre la KCFR et la Sportech. Oh, Jouge, il est bien sorti là. Il est bien sorti. Peut-être une tentative au freinage là-haut. À l'intérieur, à l'extérieur. Allez, on va réaccélérer. On va réaccélérer. On va croiser pour Jouge. Pourquoi pas aller chercher le meilleur. On est à l'extérieur ici, sur le pilote de la KCFR. On arrive dans Spoon à l'intérieur. C'est bien fait ça, il l'a travaillé de loin ce dépassement. Le pilote de la Sportech qui est venu surprendre Ludo à l'intérieur sur Spoon. Ça pardonne pas ça, on se place à l'intérieur. On empêche le pilote qui est à côté de soi de bien prendre son freinage et sa trajectoire. On fait pas d'erreur, on ressort bien droit. Et ça passe. Ça passe pour Jouge. Avec un peu moins d'essence et des pneus un peu plus frais. Et on va aller devant, voir ce qui se passe. Juventus bien esselé en quatrième position. Max ici de la KCFR avec une casse de la suspension avant gauche. Attention, ça peut être catastrophique sur ces voitures. Richie en deuxième position qui a perdu déjà, tu m'avais dit combien, 19 secondes, il y avait d'écart il y a le tour. Il y a 23 secondes maintenant. Ouais, 23 secondes, donc ça fait, il a tourné en 1.48.5 lors de son dernier passage contre 1.46.2. Ouais, c'est 2 secondes et demie quasiment de repris par Flo ici. Qu'allume encore en violet, il est déchaîné le pilote de la KCFR ce soir. Ouais. Ça c'est l'effet Milo. Bonne soirée ma Sabrina, merci d'être passée. Bonne soirée. Et à vendredi pour le championnat karting de la OMT, deuxième manche du karting. Venez voir ça le vendredi, on s'éclate, c'est une petite course d'une demi-heure. Et franchement, on rigole pas mal. Ça dure pas longtemps en plus, comme ça, ça vous permet de profiter de votre soirée de week-end. Mais alors moi j'ai pris énormément de plaisir, il y avait 10 petites minutes de qualification. 30 minutes de course, on s'est régalé quoi. Tu vois ces petits bolides, on dirait des petits moustiques là, quand ils passent. Ouais, mais les moustiques c'est chiant. Ça dépend lesquels. Non, tous les moustiques c'est chiant, ça pique, ça, après ça gratte. C'est et, chiant. Et t'as remarqué que c'est que les femelles qui piquent hein, chez les moustiques. Et bim ! Et voilà, une fois de plus. Hein, nous les mâles, tranquillou. Bon, ah, ça méritait d'être 10. Et Flo qui allume encore en violet. Ça méritait d'être 10. Hein. Max, troisième position pour lui. On va voir un peu Flo. Et il arrive sur un retardataire, le Flo. Attention à bien jouer le jeu des drapeaux bleus. Ah, attendez, j'ai une annonce à faire. Ah, on a entendu une petite voix, une douce voix. Oui, il m'a amené un Onion Rings. Alors du coup, il faut que je dise que c'est le meilleur chéri du monde. Qui j'ai pas un... Vas-y, Alex vient de rentrer. Oui. Et il a pris un Burger King sur la route pour lui parce qu'il a pas mangé. D'accord. Et du coup, il est venu... du coup, je lui dis envoie une frite. Il me dit j'en ai pas, j'ai pris des onion rings. Du coup, je dis bah envoie-en. Alors du coup, il m'a dit et du coup, il dit il faut que je dise que c'est le meilleur chéri du monde parce qu'il m'a donné un onion rings. Waouh. T'es gâté. Et là, hein, tu vois, je le vois à travers l'escalier. Il est dans un trou de l'escalier, il fait un grand sourire. Des bisous à mon Alex.
Allez, c'est pas le meilleur tour en course pour Flo, qu'il a déjà réalisé quelques tours auparavant, mais on en est quand même très très proche. En 1:46,269, dernier passage contre 1:48,749. C'est énorme le trou qu'il est en train de creuser, ouais, là, Flo. 26 secondes d'écart quand même. Sur Richie, ouais. Pourtant, Richie, il est constant, hein. Tu peux pas lui reprocher. Il est vraiment constant dans sa course. Il a choisi les pneus médium, le pilote Max, pour la KCFR en troisième position. Juventus en quatrième position. Il semble arriver devant un retardataire ici. Ouais. Ça va être un Arcos qui va devoir. Juge en cinquième position. Ouais, Max dans les stands. Ludo en sixième position. On a JP en septième position. Moms en 8e position, Matt en 9e position, Seb 10e, Mika 11e et Amiral 12e. Mika, il a fait une stratégie où il vient de piter. Et attention, Mika, drapeau bleu sur le dernier. Voilà, le drapeau bleu bien observé. Voilà, ça, c'est. Voilà, on va remontrer ça. C'est le respect du pilote, le respect de la piste. Vous allez regarder sur la télémétrie de Mika qui voit le concurrent plus rapide que lui arriver dans les rétros. Il est en pleine ligne droite et il va lâcher pour que le pilote puisse au freinage continuer sa course. Hop là, si je lève le replay, c'est bien. Bleu. Attention. Blue flag, comme disait notre ami Sébastien Vettel. Il l'a vraiment empêché de passer au virage d'avant. Voilà. Amiral qui ne voit pas. Qui ne voit pas le drapeau bleu. Ouais. Alors après, là, dans la ligne droite, normalement, tu dois t'écarter, lâcher l'accélérateur et laisser passer Juventus. Ah, Amiral, non, ici. Il le fait pas. Alors il y a deux solutions. Soit il ne connaît pas la règle des drapeaux bleus, soit il est daltonien. Ça arrive aussi. Oui. Soit il a vraiment pas envie et. Ah si, tu vois. Alors, soit il s'est manqué là, non? Oui, je pense qu'il s'est manqué, ouais. Ouais, c'est loupé au fromage. Allez, Amiral ici. Attention à ces drapeaux bleus. Oh, il vient de taper le mur aussi, là. Faudrait lui faire un test d'alcoolémie après la course. Parce qu'il roule pas droit, le pilote. Hop là, hop, ça va. C'est resté en course. Je plaisante à mon amiral, bien évidemment. C'est une plaisanterie. Le Mika ici qui a profité du passage de Richie devant lui et qui maintenant, tu vois, ça aussi c'est intelligent. Il reste collé derrière et il se sert de l'aspiration du pilote, du rythme de Richie. Ouais. Il se sert de lui pour remonter. Bravo. Ah non, on peut pas dire que personne ne connaît cette règle. On a vu des exemples où là, ils ont vu le drapeau bleu et se sont tout de suite décalés dès qu'ils ont pu. Ouais, mais quand t'es caster, tu te dois de rester impartial. Ouh, la sortie de Mika! Qu'est-ce qu'il nous a fait, le Mika? T'es sûr qu'il est sorti? Il est parti très très, très 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 au large. Je le vois toujours quasiment derrière Richie, moi. Oui, voir un peu. Le virage, il a été très très large. Alors ici il rentre. Ah oui, voilà, ouais, Dan Spoon. Ouais, mais ça va, il a repris. Bravo. Oui, bah j'ai juste dit que c'était très large. Bravo. Et pratiquement 30 secondes d'avance pour Flo. Ouais, Flo là il trace la route. Hein. Flo, il est pas là pour amuser la galerie. Là, il a encore amélioré son chrono. Ouais, non, 45,983. C'est au 22e passage, il l'a fait. Il a fait un 45,986 là. Sur le dernier tour. Pas de bol. 3 millième. Ouais. Enfin, pas de bol. Pour l'instant, il réalise la copie parfaite. Après, il faut que ça dure. C'est ça. Allez, Richie qui perd du terrain, mais qui n'en perd pas sur Juventus, du moins. Juventus qui tourne dans les temps légèrement au-dessus. Ça permet à Richie de rester en deuxième position et Jouge derrière un 47-410. Ça va revenir fort dans quelques tours. Oui. Pour Jouge. Alors ce podium, moi je vois bien Flo, Jouge, Richie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le live. Moi, je pense que ça va rester comme ça. Ah, il était en violet.
Jouge, attention. Il va aller peut-être aller le chercher, ce 45-983 réalisé par Flo. On va rester sur le pilote de la Sportec. Oh, ah, il a perdu. Ça va être comme ça. Comme ça tu, Flo, toi, tu dis Flo, Richie et Juventus. Ouais, Jouge, il revient fort. Oui, quoique ça peut jouer entre Juventus et Jouge, mais... Allez, moi, qui prend les paris? Flo, Ricci. Toi, tu vois Flo, Ricci et Juventus, hein, t'as dit ça? Ouais. Allez, vous notez hein, sur le live Flo, Ricci, Juventus pour Lolo. Et moi, je dis Flo, Jouge et Ricci. Et toi, tu mets où Juventus du coup? Quatrième. Ça sera quatrième. Parce que Jouge va le passer, ça c'est sûr. Et Ricci, il a une meilleure. Meilleur passage autant autour. Il va rester devant, mais il est en dessous de Jouge qui, lui, je te rappelle, Jouge, il a passé les médiums, il a passé les durs. C'est que du time attack hein, pour lui. Oui, mais après, il reste quand même 35 minutes de course. Hein. Il va, les pneus, ils vont pas tenir. Hein. Ah, ben, il va devoir. Tous les pilotes vont repiter, ça c'est sûr. Hein, il va pas rester. Ils vont se préserver pour quelques tours à la fin. Milo qui dit Flo, Jouge, Ricci. Ah ben écoute, ça c'est fait comme 3. Stéma. Voilà. Non, pas comme moi. Ah ouais. Non, oui, t'as dit. Moi j'ai dit Flo, Jouge, Ricci. C'est comme Stéma. Allez, il va pas le battre. Une petite bataille entre Matt et Mams. Il y a 5 dixièmes d'écart. Ah ouais. Une bataille qui s'annonce ici. Mams ici qui va aller chercher peut-être cette 9e place. Allez, on va se faire un petit tour embarqué avec Moms à la chasse. Moms qui est un pneu tendre, qui sont moyennement usés avec un tiers de réservoir embarqué d'essence. Freinage ici sur la chicane de Casio, c'est propre. Voilà, on laisse rouler la voiture. Là, par contre, il n'a pas peur d'envoyer la première, lui. Voilà, la 3, la 4. Allez, on est dans l'inspiration de Matt ici. Peut-être pour aller tenter un freinage à l'intérieur. Sur le premier virage, ouh, ça a freiné un peu tôt du côté de Matt. Ah, là, il est bien placé, Mount. Entrée DS. Oui, je crois que c'est Jouge qui a fait t'as passé tous les pneus. Ouais, il me semble. Les médiums, c'est sûr, sur un tour. Les durs, il me semble qu'il est parti en dur. Non, je crois qu'il y avait personne. Ah, si. Ouais. Et Flo qui enfonce encore un peu plus le clou, 34 secondes d'avance. Ah, il roule fort là, Flo. Et là, tu vois, un Mams, il n'arrive pas à trouver alors qu'il est plus rapide que Matt devant. Matt, il a fait une petite erreur. Et Mika qui est sorti aussi. Oh, ça va passer. Oh, le freinage ici, tardif de Mams qui a laissé aucune chance à Matt après sa petite erreur. Et Matt, dès qu'il a un pilote derrière lui, il est un peu sous la pression. Il fait une erreur. Et sur ce coup-ci, c'est le rouge qui a gagné sur le bleu. Tu vois. Flo joue Verity alors. Bah oui, elle le change, Milo. Hein. Bravo. Non, on va rester sur ta première truc. Allez, Matt ici qui a perdu. 5 secondes d'avance pour Flo. Ah ouais, il trace là. Allez, on va. Où il en est, Momika? Momika, il est 11e, il est en difficulté avec son véhicule. Pourtant, il a réalisé un joli, une 47-785 sur le 28e passage. Mais après, il a dû faire une erreur parce qu'il passe à 1,50. Ouais, mais là, il a fait une petite sortie. C'est difficile d'être constant. Alors, on va revenir sur le leader, Malolo, avec Flo qui caracole en tête ici. Du 46 de moyenne en battu, en voilà. Il est réglé comme une horloge. Suisse, le pilote français. 36 secondes d'avance sur Richie. Ça trace là. Il a un arrêt d'avance là. À ce moment-là de la course. Oh là là, ça va, hein, nous dit Milo. Bah oui, parce que tu lui as dit qu'elle ne voulait pas changer. Allez, Flo, ici. Qui trace sa route. 36 secondes d'avance pour le leader. On est bien installé. Presque 37. On est bien installé dans sa course. On a la stratégie qui se déploie.
J'espère qu'il n'entend pas toutes nos bêtises, sinon ça pourrait le... Non, là, à mon avis, Milo est là pour en témoigner. Il est ultra concentré. C'est même pas s'il cligne des yeux, là, le pilote, parce qu'il réalise quand même des tours super réguliers. Hein, du 46-2 en voiture, voilà. Et pour sa défense, elle dit « juge, c'est pareil, limite. Hein, ouais. Je suis embrouillé. Comme les chats, elle retombe sur ses pattes. Hein. Laisse les chats tranquilles. Allez, oui, allez. Le mien est toujours à côté de moi. C'est le troisième co-caster de la télé de Stéma. C'est ça. Ah, Ricky, légère petite sortie. Lui aussi, il est les métronomes 48-7 sur ses deux derniers passages. Il y a peu de choses près. À 9 millième près, c'est le même tour. Il reste plus que 30 minutes de course. Le leader a pratiquement 40 secondes d'avance sur le deuxième. Quasiment un arrêt. C'est un arrêt. Ah, il respire plus. C'est dangereux par contre s'il respire plus. Il est sous apnée. Ah tiens, il y a un petit combat entre. Ben non, c'est pas un combat, c'est Jouge qui a pris la troisième place sur Juventus. Oui. On l'a pas vu ça, on l'a raté. Non. Mille excuses. Après, les pneus de Juventus commencent à être. Rétamé. Il consomme plus de pneus que d'essence, lui, c'est dommage. Pourtant, ouais, il passe ses rapports très très loin. Hein. Ouais, ouais, c'est bizarre. Hein. Jouge. Ouais, les deux passent les rapports très très loin. Ouais, ça consomme beaucoup plus de pneus du côté de Juventus. Allez, il reste 22 secondes d'écart. Pardon, entre Jouge. Oh, je m'étouffe. Entre Jouge et Ricci. C'est maintenant que la stratégie de Jouge va payer, une stratégie à l'attaque par rapport à Ricci. On tourne à 1,48.3. Ouais, il allume en violet toujours dans ce secteur. Comme quoi, Flo, il lui reste un peu un secteur à prendre pour améliorer ce meilleur tour en course. 1,48.3 sur le dernier passage pour Jouge. Et Ricci, 1,50.2. Donc ça fait quasiment. Ouais, parce que 284, ça fait 2 secondes par tour. Il y a 22 secondes. Donc ouais, attends, je te coupe dans ton calcul savant, il y a une bataille entre Matt et Seb pour la 9e et 10e position. Dans 10 tours, on devrait voir Jouge passer devant Ricci. Et Matt en difficulté hein, quand même sur ce. Ah mais regarde pardon, les pneus de Seb comme ils sont nettement plus frais. Ah il est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Une erreur de Matt encore. Ah, je dis encore, je suis arrivé à dire, c'était pas une aveu ou quoi? Non, il est rentré au stand. Oui, mais je crois qu'il a fait. Il a raté, alors je le vois sur le replay là. Il arrive trop fort dans Casio. Hop. Et la petite erreur à l'arrêt Axel. On perd énormément de temps. Et là, on peut rentrer dans les stands. Joue joueur manette, ça se voit aux appels. Vive les appels de phare. Et ouais, quand il fait les. Quand il prend les virages, ça fait des appels de phare. Et qu'est-ce qu'ils attendent là dans la voiture de Matt? Ah, ça y est, c'était le ravitaillement. Yeah, mais punaise. Juventus qui est rentré au stand. Allez, Matt qui ressort des stands avec des pneus tendres. Le plein d'essence. Et à 12 secondes de notre Mika National, le pilote de la DDP. Pardon. Excusez-moi pour le. Le scrolling, Mika de la DDP qui se retrouve en 10e position. Et il y a un blue flag qui a clignoté. Il y a qui arrive derrière Mika? Mika qui est sous le coup d'un drapeau bleu. Ah, et c'est Jouge qui arrive derrière. Putain, mais il est loin quoi. Et ils mettent le drapeau bleu 2 ans avant que le pilote arrive. Au cas où. Pour bien prévenir que. Ah, tu peux pas le rater. Hein. Ah, regarde, ouais, regarde comme il est loin, Jouge. Et on va se mettre sur Jouge. Ouais. Super loin, quoi. Ouais, là, je suis sur Jouge et je voyais pas. Je vois pas le pilote devant. Hein. Ah, ouais, c'est un truc de fou. Et pourtant, là, Mika, il a un drapeau bleu. Ah, c'est mal foutu. Oui, je vois le drapeau bleu, mais. Ouais. À la limite, il serait presque justifié maintenant le drapeau bleu, tu vois. Ouais, voilà.
Et sur le jeu Formule 1, quand tu es sous le coup d'un drapeau bleu, tu as un certain temps pour laisser passer la voiture, sinon tu te prends une pénalité. Ça devrait être pareil sur GT7, tu vois. Ça revient fort hein, du côté de Jouge. Plus que 18 secondes d'écart entre Jouge de la Sportec et Richie pour le gain de la deuxième place. 6 secondes d'avance pour Flo. Ah ben Flo il est sur une autre planète là ce soir. Pilote de la KCFR qui vole littéralement sur le circuit de Suzuka. Ouais, regarde la console des pneus quand même, il faut faire gaffe. Ça use plus que du Richie. Oui, mais Richie, il a passé ses pneus tendres bien après. Ouais, mais il est en médium, là. Oui. Donc, Richie, il a une belle consommation, quand même, de pneus. Enfin, va falloir compter sur lui, de toute façon, sur le podium. Et il joue, là, les écarts qui descendent. 2 secondes de repris encore à son concurrent direct. J'ai pas fait gaffe combien de temps durait le passage au stand. Un certain temps. T'en as d'autres des comme ça ou Ouais. Et au moment où t'as dit ça, il y a sur la vidéo là, il y avait un photographe qui était là sur l'herbe dans le virage et il regarde sa montre. Non, c'est un truc de dingue. Tu regarderas sur le live à ce moment-là. Tiens, sur le live, c'était quoi 1h05. Tu te mettras 1h04 de course et tu écouteras nos commentaires. Tu verras là, je l'ai filmé. Tu es dans le virage et tu vois, il y a un photographe et tu le vois, hop, il regarde sa montre. Non, c'est un truc de fou. Bah, faut bien savoir l'heure qu'il est, si c'est l'heure de manger. Ouais, mais juste au moment où on parlait de ça, c'est quand même rigolo. Allez, Ludo de la KCFR en 4e position. 49-322 réalisé à son dernier passage. On pointe à 9 secondes 6 de JP's de la LCRT. Une 48-913. JP's qui remonte légèrement. Max ici de la KCFR en 6e position. Une 53 lors de son dernier passage. Il a dû avoir une petite erreur parce qu'il a fait des tours en 1.46. Il a fait 3 tours en 1.46.5, ce qui est plutôt très très raisonnable. Et une 53 juste après. Donc il a dû faire une erreur, le Maxou. Juventus qui se retrouve en 7e position, peut-être pour son dernier arrêt. Il a choisi les pneus tendres. Allez, maintenant, il faut cravacher pour le pilote de la THR. Pour aller figurer sur le podium, il va falloir doubler du concurrent dans les stands. Et je t'annonce que Flo a 50 secondes d'avance sur Richie. C'est ça. Ouais, j'étais les drapeaux bleus, c'est clair. Oui, et c'est ça la. Ouais, sur F1. Et la pena, elle fait mal. Ouais, sur F1, elle fait mal la pena. Ouais, mais là, t'as vu le temps avant qu'ils mettent le drapeau. Enfin, vu qu'ils mettent le drapeau bleu vachement avant, t'imagines s'ils devaient prendre une pénalité. Ouais, mais ça. En fait, sur F1, du moment que tu vois le drapeau bleu et que ton commissaire de course, là, il te l'annonce. Non, c'est pas un commissaire de course, c'est le gars que tu as dans les oreilles là, parce que ça parle dans F1, il te dit attention, oui. T'as le virage, tout machin. Il te l'annonce. Et Max qui est sorti. Parce que du coup, Flo avait un drapeau jaune et il a failli taper Max. Ah, c'est dommage, hein, Max qui fait des petites erreurs. Et donc, si tu veux, tu as un certain temps où on te dit tu dois laisser passer le pilote derrière, donc c'est à toi à t'organiser, même si tu es en combat ou quoi. Si tu le fais pas, ben, tu te prends une pénalité et elle te déchire le front, quoi. Tu te prends, je sais pas, 5 ou 10 secondes de pénalité. C'est énorme, en Formule 1. Et Jouge qui rentre au stand. Il va chausser encore un train de pneus tendres. Allez, Seb, 8e position pour lui. Je le voyais plus haut, le pilote de la PRT. Il tourne dans des rythmes raisonnables en 1.48.1 lors de son dernier passage. On est 8e, on est seul au monde du côté de Seb. 56 secondes de retard sur Max et 30 secondes d'avance sur Moms. Ouais. Moms en 9e position. Jouge qui est rentré au stand, JP's aussi. Moms 9e, Mika en 10e position, Matt 11e et toujours Narcos qui ferme la marche. Mais c'est bien, il est là, le pilote, il a pas lâché l'affaire. Il est sous le coup d'un drapeau bleu là. C'est qui arrive derrière lui, c'est Richie. Ça
C'est vrai qu'ils sont positionnés un peu tôt, les drapeaux bleus. Non, c'est Ludo qui arrive derrière. Ludo, qui est en troisième position à ce moment de la course. Allez, on revient sur le leader, Flo, ici, qui laisse pas beaucoup la place à ses concurrents. Il est un peu en train d'atomiser la concurrence, là. Un peu. Ouais. Il est sur une autre planète, là, le pilote de la KCFR, pour l'instant. Là, il a ouvert. Tu vois pas le bras Ah ouais, là, il a le coude sur la portière. Il est là, il ramasse des fleurs, là, sur le côté. Ah, ça y est, le photographe. Et Jouche qui a pris 3 secondes de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Et qui sort. C'est peut-être le podium qui s'échappe ici. Face à Ricci, face à Juventus. Ah, il était au contact de Juventus. 2 secondes 4. Ça va faire mal, ça va faire mal pour Jouge ici, une déconcentration. Ça redistribue les cartes, attention, il va perdre encore une position. Et Ludo qui rentre au stand. Ouais, Jouge qui se retrouve sixième, il a perdu 2 positions. Ludo dans les stands, ça c'est normal. Ouais, maintenant ça va être difficile pour aller chercher Juventus. Du coup, ça va me faire mentir et c'est peut-être toi qui vas gagner. Parce que moi j'avais dit Flo... Jouge et Ricci. Et Max qui rentre au stand. Ouais, ça va être compliqué pour le pilote de la Sportex là, d'aller chercher Juventus. Maintenant, il est à 7 secondes. C'est peut-être jouable pour Juventus, mais pour Ricci, ça va être compliqué. Ouais. Après, d'un autre côté, on ne sort plus là normalement pour Jouge. Alors qu'on ne sort plus non plus pour Juventus, sauf pour passer Juventus, les durs. Je pense pas qu'il va ressortir non plus. Hein. Alors que Ricci, il a encore un arrêt. Et Flo aussi. Parce que Flo, là, il arrive sur les vapeurs d'essence bientôt. Flo, il a un arrêt d'avance. Donc lui, il peut se permettre. Hein. Oui. Il peut se permettre. Allez, Flo en première position. Vous le voyez avec la lumière allumée sur le flanc de sa voiture. Première position pour lui. Deuxième position pour Ricci. Et du coup, il a mis un tour au quatrième. Eh oui. Ah, ça va vite hein, à ce niveau-là. Quand tu roules en 1,46 à tous tes tours, que les autres ils sont en 1,50, ça fait 4 secondes au tour. Hein. Et alors, qui dit voilà, j'arrive au bon moment. Tiens, puisque tu es là, alors, on va faire un petit tour pour ton chéri. Il est dixième, ton chéri, pour l'instant. Il va devoir effectuer encore un passage au stand. Et il pointe à 14 secondes de la 9e position. Qui lui par contre ne sortira plus. Hein, même celui. C'est prévu pour aller au bout. Allez, le leader dans les stands. Oh, bravo. On l'a dit en même temps. Allez, le leader. Les pneus qui sont préparés, qui sont chauds, les mécanos qui attendent, l'homme à la sucette, il est là-bas, prêt à remplir le réservoir d'essence. Clac. Allez, ça biberonne, elle a faim, elle a soif cette 908 pour le leader. On va voir où il va ressortir, mais à mon avis, il ressort largement en tête. Allez, 79% d'essence. Et on est en médium. Attention pour à la Flo. Sortie des stands. Ah, il est seul au monde, il est. Ouais. Et toujours 54 secondes d'avance. Et Laure qui dit il aime bien sa P10. Mika. Mika P10, je vais l'appeler. Ah non, ça y est. Le chrono se remet. Ouais, 24-26 secondes, c'était ça. Hein. Le tarif, c'est 40 23. Secondes à peu près, un arrêt. Donc, 23. Ouais, mais Ricci, il va devoir s'arrêter avant la... Ah, Ricci, il s'arrête, ça, c'est sûr. Ça, il va pas aller au bout. Il reste un peu plus de 15 minutes. Juventus, lui, ça va aller au bout. Oui. Et Jouge, il n'est qu'à 6 secondes après son erreur. Oui. Il va falloir qu'il cravache sans faire d'erreur. Le pilote de la Sportex, il veut monter sur le podium. Oh, attention, le retardataire Zinarcos. Amiral qui ne voit pas les drapeaux bleus, c'est dommage. Ouais. Il a beaucoup de mal avec les drapeaux bleus. Ouais,
faut. Ça serait dommage qu'il tape un leader ici, il s'écarte là, non? Pas vu. Ah, il s'écarte pas. J'ai pas l'impression. Aïe aïe aïe, drapeau jaune, tiens, s'il y a quelqu'un qui est sorti, si tu veux aller voir qui c'est. Et regarde le temps qui fait perdre. Ouh, c'est qui est devant? Ah, c'est Matt encore qui a fait une. Oh, je dis encore que il va dire, oh, c'était Matt. Ouais, voilà, Matt, il a, tu vois, drapeau bleu, il a ralenti. Amiral, drapeau rouge pour toi ce soir, pour les drapeaux bleus. Ça fait beaucoup de couleurs, ouais. Je sais, mais. Drapeau rouge, carton rouge pour toi. Parce que. C'est là. Toujours pas laissé passer le quatrième. Ben c'est ça, et c'est là où je te dis que regarde le temps qu'il perd, il a perdu déjà deux. Et voilà, et en plus il se bat, Amiral. Il n'y a personne sur un chat avec lui qui peut lui dire. Ah, c'est pas normal ça. Drapeau bleu, blue flag, blue flag. Amiral, si tu viens en interview tout à l'heure, je me permettrai de te le rappeler, Amiral, ça se fait pas ça, qui sont rouges. Ah là là, c'est pilotage de quotidienne ça, c'est pas un pilotage digne d'un championnat. Ouais, joue j'allais qui reprend. C'est, ouais, je veux dire, quand un pilote il te prend un tour, c'est que t'es clairement pas à son niveau quoi. Laisse le passer, et oui, voilà, joue qui se venge un peu, mais ouais, mais c'est les nerfs quoi. Bah en même temps, enfin, je pense que j'aurais fait pareil. Hein. Jouge, il joue un podium, il se retrouve cinquième, regarde c'est le ça. Temps qu'il a perdu sur Juventus. Ah, punaise. Ah, c'est vraiment après, pas ça, cool, c'est... ça. C'est vraiment pas cool, ça surtout. Ça sera quelque que... chose à rapporter aux organisateurs. Ouais, mais bon, c'est... Pff, les réclamations, ça sera quoi? Il va se prendre 10 secondes de pénalité, il est dernier, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il est dernier, il pointe à... Non, mais il pointe à 5 minutes du premier. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Flo, il va passer aussi... Va... Enfin, quand, je veux dire, quand sur une course de, d'une heure, tu t'es pris 5 minutes... Bah regarde, le 11e, il est juste derrière. Bah oui. Mika, il est derrière derrière Amiral. Ouais, mais là, Amiral, carton rouge, là. Franchement, c'est pas de moi de parler comme ça, mais coup, Amiral... Mika, il a compris, hein, il lui a fait l'extérieur complet. Là, il y a JPS qui arrive derrière. Ouais, bah maintenant... Il le laisse passer. Carton rouge pour Amiral, quand même. Parce que là, ce qu'il a fait sur Jouge, c'est pas. Ouais, non, c'est pas. Ah, tu vois, c'est. Je prends pas beaucoup parti, mais là, franchement. Puis en plus, il me fait perdre mon diagnostic de podium, donc. Je lui avoue personnellement. Ouais, non, parce que là, du coup, Jouge, il doit remonter sur Ludo. Juventus, ça va être. Allez, Flo qui se bat, hein, qui se bat avec Max aussi, Max! Ouais, mais après, ils sont dans la même team tous les deux. Donc, allez, c'est passé. Oui. C'est passé pour le leader ici. Plus de peur que de mal. Car repris 49 secondes à Richie. Hein. Oui. Ouais, il est tranquillou. Hein. Flo, sans surprise, et Richie. Tu vois, alors, Amiral s'est décalé pour laisser passer Flo et Max. Ah, ben il a peut-être eu un rappel à l'ordre hein, aussi. Hein. Ou alors il a cru que c'était un concurrent derrière, il n'a pas vu le drapeau bleu. Ça arrive aussi. Hein. Après, je suis peut-être mauvais ouais, angle. Ouais, mais sur aussi longtemps. Ouais, tu regardes derrière qui est derrière toi. Quoi. Quand tu es 12e et que tu te bats avec personne, il n'y a personne qui peut te doubler à part le premier. Bon, enfin, bref, on ne va pas y revenir. Et Jouge qui revient sur Ludo. Mais ouais, mais Pêcheur, maintenant il va devoir remonter sur le dos. Alors qu'il a, il avait, ah, je dis pas facilement, mais la deuxième place, elle était jouable. Tu vois? Oui. Là, il doit passer un pilote. Là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué parce que Ludo, ouais, lui, il va défendre son beefsteak. Il aura le droit, lui, tu vois? Il a pas de drapeau bleu, lui. Ouais. Donc, Ludo, c'est dans son intérêt de défendre son beefsteak. On sait que donc, c'est difficile il reste à doubler. Un peu moins de 12 minutes de course, donc ça fait quoi? Ça va faire. Allez, je vais tirer l'arche, ça va faire 6 tours. Ouais. Grand max. Ouais, c'est vrai que, comment, Laure me dit, on aurait pu mettre un message. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un drapeau bleu. Mais bon. Bon, je peux toujours le mettre, hein, si tu veux. Mais salut bon, Angel là, de la KCFR qui est là et qui dit, allez, Max et Ludo, bah ouais, ils font le nécessaire, t'inquiète. Allez, Jouge ici qui doit se battre maintenant pour aller chercher cette quatrième position. Et du coup, ça fait les affaires de Juventus. Elle est à l'intérieur, voilà, ça c'est propre. Ça va passer pour Jouge à l'arrêt Axel. Ouais. Ouais, attention, Ludo qui s'accroche ici, mais Jouge, il va avoir la meilleure trajectoire pour l'entrée de Spoon. Allez, au freinage, ça va passer pour Jouge.
Ah, il doit être un peu énervé, le pilote, ça, ouais. C'est clair. Et regarde, il a 13 secondes de retard pour aller chercher Juventus, alors qu'il avait la possibilité d'aller chercher même Ricci, tu vois. Oui, alors, il y a l'heure qui dit, après, ça dépend comment il conduit au niveau de la vue. Je pense que le drapeau bleu, peu importe comment tu conduis, tu l'as, quoi. Ah oui, c'est clair. Il y a Richard qui nous rejoint, qui nous dit salut et bon cast à toi et à la co-casteuse. C'est le killer Lolo pour ce soir. C'est ça. Et à la CFR, à Mathias qui fait partie de ma team. Donc Matt ne fait plus partie de la CFR, c'est ça? Ouais, c'est possible. Et ouais, Laure qui nous dit après ça dépend de comment il conduit. Ouais, non, je suis désolé. Peu importe la vue, ouais, je vais vous montrer les vues possibles. On va se mettre sur. On va se mettre sur flou. On se met sur flou. Imagine, il est en vue intérieure comme ça parce que c'est un kiff pour lui. T'as un radar. Un drapeau bleu sur Amiral si tu veux. Voilà, tiens, un drapeau bleu. Voilà, c'est écrit. Voilà, mais bon, on l'a vu furtivement, c'est écrit. Si tu te mets en vue comme ça, c'est pareil. Là, c'est inconduisible. Il n'y a personne qui conduit avec cette vue comme ça. Si tu te mets en vue compteur, là, comme ça, c'est celle que moi, j'utilise. Tu vois aussi marqué drapeau bleu. C'est écrit en plein sur ton front. Tu as le rétroviseur. Tu as la map. Je veux dire, tu as pas mal de choses qui te disent « Oh, j'ai le leader derrière moi, quoi, tu vois ?» Tu conduis comme ça, pareil, tu l'as, hein, Blue Flag, c'est... Et puis t'as le radar à droite. Non, c'est impossible de le rater, malheureusement, drapeau bleu. Et Flo qui revient sur le sixième, je crois, sur GPs. Allez, on va faire une petite remontada, si tu veux bien. On a toujours Amiral en 12e position qui sort qui là sort. Sous le pont. On a Mika... 11e qui pointe à 48 secondes. Mika qui a mis les pneus durs ici pour cette fin de course, qui pointe à 46 secondes, 49 secondes, pardon, de Matt. Un pneu tendre, attention, Matt, l'usure de pneus, ça va peut-être pas aller au bout. Mom, sa 9e position, bien esselé le pilote. Seb, pas mal d'erreurs, hein. Seb, c'est dommage, il aurait pu faire mieux. Pour l'instant, il est 8e à 29 secondes de Max de la KCFR en 7e position. 20 secondes de retard sur le 6ème. 6ème place détenue par les Cinglés Racing Team JP Island, qui vient de réaliser un 1:46.720 lors de son dernier passage, ce qui était un chrono, ma foi, fort appréciable. On a Ludo de la KCFR en 5ème position. Et regarde, Jouge, depuis qu'il est passé, il a repris 3 secondes à Juventus. Ouais. Et il va devoir se battre, le pauvre Jouge de la Sportex, qui a eu mal à partir avec le dernier. Juventus de la THR en 3ème position, qui finalement lui va devoir sauver. Attention à l'usure des pneus en toute fin de course. Il va rester 8 minutes. Il a des pneus bien entamés. Le pilote de la THR ici, ça va être compliqué. Et Ricci qui aura été le leader du début de course, bien installé à la première place. Mais c'était sans compter, sans le flow de la KCFR qui a réalisé une course parfaite et qui pour l'instant s'impose avec plus de 50 secondes d'avance sur le deuxième. Le meilleur tour en course, 1:45.983 pour lui. Ça déroule du côté de la KCFR. Oui. Ça déroule, ça déroule. Et Flo, il arrive sur Amiral, non, je crois, là. Voilà, non, il a déjà passé. Ah, c'est qui l'a devant? C'est JPZ. Il y a une Blue Flag. Et Flo, un médium qui lâche un peu, là, une seconde de retard sur son chrono. Il a le droit. Il s'est mis en mode je ramène la voiture à la maison. Allez, dernier passage au stand pour lui. On va peut-être chausser les pneus durs. Pour terminer. Il les a pas passés tout à l'heure? Je sais plus. Ou alors il est parti en dur, je sais plus. Vas-y, partez loin sur la grille. On va voir, on va être fixé. Quel type de pneu va choisir Flo? Est-ce qu'on a raté son passage des pneus durs? Ouais, ouais, là il met les tendres pour. Ouais. Pour s'amuser.
Et pour aller chercher les chronos, là, ça sent le 45. Allez, moi je dis un petit 45 682. Tiens, 2 dixièmes, 3 dixièmes de mieux. Allez, pronostic pour le meilleur tour en course de flow, 1,45, 682, il va faire tomber 3 dixièmes. À suivre dans le prochain tour. Et Richie derrière qui est en tendre aussi. Et Richie, il va falloir qu'il vérifie sa conso d'essence pour les derniers tours. Et regarde, Jouge qui est revenu à 7 secondes 4 de Juventus. Oui. Ah, ça va être chaud. Ah, s'il va chercher le podium, ça sera récompense pour lui quand même, parce que oui. Il y en a d'autres qui auraient rage quit avec un sale message sur en partant. Lui, il tient bon. Il a grande chance. Ah, il fait honneur à la Sportec, là, Jouge. Il fait une très très belle course. Hein. Il a fait une stratégie agressive avec un arrêt de plus quasiment que tout le monde. Il aurait largement pu avoir ce podium. Allez, c'est pas fini. 7 secondes 6 de retard. Va rester combien de minutes là? Va rester 5 minutes. 5 minutes, ça fait pas beaucoup de tours, ça. Ça fait non, un peu ça plus fait de 3 de, tours. Ouais, 3 tours maxi. Ça va être chaud. Ça ouais. va être chaud. Ouais, ça s'est manqué devant pour Juventus. 3 secondes 6 d'un coup. Ah oui. Ah, Juventus qui craque peut-être sous la pression ici. Il a plus de pneus, le pilote ouais, de la THR. Des pneus surtout. Ah, le suspense qui reste intense ici. Jouge qui revient comme un boulet de canon. Il a faim, le pilote de la Sportec ici, qui va aller chercher son podium. Il le veut. Après la mésaventure qu'il a rencontrée face à un retardataire ici, il le veut. 2 secondes 9 maintenant. Le suspense qui reste intense. Ça va être difficile pour Juventus de maintenir. Jouge derrière lui. Ça revient très très fort. La THR qui va peut-être perdre le podium sur cette 7e manche. Bah, franchement, je sais plus s'il a passé les durs ou pas. Ouais, Jouge, oui. J'ai un doute. Non, Flo. Flo, il me semble qu'il est parti en dur aussi. Je sais il plus. Il me semble qu'il est parti en dur, mais. Il y a peu de pilotes. Il y avait que 2 pilotes qui étaient partis en tendre. Il y avait Richie qui était parti en tendre, ouais. qui a tracé. Et je crois qu'il y avait Max ou quelque chose comme ça. Tout le reste, ils sont partis en dur. Ils ont fait un tour, ils ont changé les pneus. Oui, c'est vrai. Et je pense que Flo, le connaissant, hein, il serait resté en médium et mettre les durs sur un tour à la fin. Si. Voilà, ça revient très très fort. Jouge qui est à 1 seconde 8. Le suspense qui reste intense. Et est-ce que ça a claqué le meilleur tour? Une cinquantaine, on va voir. On va voir, c'est sur ce tour-là, est-ce qu'il est en avance le Flo? Qui c'est qui était dans les graviers? Ah, j'ai pas vu, c'était une voiture blanche et rouge. Ouais, il est en violet de 306. Et 306, tu verras qu'il va faire le 45, comment j'ai dit, 582. Tu vois qu'il va c'est le faire. C'est Amiral qui est sorti large. 582 ou 682, j'ai dit. Il me semble que j'ai dit 3 dixièmes, donc 682. 682, ouais. Tu vois, il va les faire ici. Oh, même plus, il a fait une 45-351. Il a atomisé le meilleur tour en course. Allez, pourquoi pas le 1,44. Allez, mon Flo, le 1,44. Pourquoi pas? Emilio qui dit je l'ai vu aller au pied, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il va se faire plaisir. Il veut le 1,44 là ce soir. Il vole sur la piste dans cette manche. Allez, Richie. Ne vous inquiétez pas, les gars, je l'ai grondé. Il a passé tous les pneus. Et ouais, il gère ton homme ce soir. Il est chaud. Il est dans son élément là, Richie. Je l'ai bien nourri ce soir. Ouais, enfin, pour qu'il fasse une course comme ça, j'espère que c'était pas une tartiflette, quoi. Alors, là, il a mangé des épinards à la Popeye, là, pour être aussi costaud. Allez, notre Richie Cunningham, les plus vieux auront la référence. Notre Richie Cunningham, il est deuxième. Et ça, il va rester là. Et Jouge est passé. Il y a un drapeau. Ouais. Attends, je vais regarder ce qui s'est passé. Il y a un petit drapeau jaune aussi, si tu veux aller voir. Allez, Jouge, non, j'aurais pas le replay. Mince, j'ai raté ça. Allez, Jouge, c'est un moindre Mika mal. C'est qui est arrêté sur le bord. Ça y est, il repart. Avec une casse, une casse à l'avant. Mika en difficulté hein, sur ce combo. Ouais. Laure nous disait qu'il adorait la P10. Mais là, c'est la P11 pour lui. Allez, on va revenir sur le leader et sur Jouge aussi. Parce que Jouge, il mérite cette troisième place. Hein.
Bah après, il a perdu énormément de temps avec Amiral, mais je pense qu'il aurait peut-être pas fini deuxième, hein, je parce qu'il est quand même, il pointe à 32 secondes. Et le meilleur temps en course en 1:45.192. Flo qui est déchaîné dans cette fin de course, qui réalise chrono sur chrono ici, il va dégoûter la concurrence. 1:45.192 c'est pour clair. Lui. 37 secondes, il peut presque s'arrêter au stand, rechausser un train de pneus pour faire un dernier tour. Alors qu'il va rester, c'est son dernier tour, on va rester sur le leader tour. Ici, sur le dernier tour. Et drapeau jaune pour Richie. Ah ça y est, il est passé, ça s'est passé encore. Allez, on va rester sur le dernier tour de Flo ici. Carfol. Et Richie qui finit en deuxième position. Ah, il a pris un tour. Oui. Ah, vache. Ouais, mais donc ça va. Jouge qui va arriver aussi. Allez, on va rester sur l'arrêt de Jouge. Allez, beau podium pour le pilote de la Sportec. Ici, c'est un podium réconfortant, on va dire. Allez, Juventus qui termine pas très loin. Juventus. Ouais, oh, Jouge, plus d'essence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il relaisse passer, sûrement, ouais, d'accord. J'ai cru qu'il avait plus d'essence. Juventus. Ouais, c'est parce qu'ils ont dû avoir un petit accrochage et c'était ça le drapeau jaune. Ah, ça, c'est la classe. La classe du pilote de la Sportec, là. Bravo. Et du coup, mon pronostic était le bon. Eh oui, ouais, ouais. C'est sûr que, tu as payé les pilotes parce que. Il s'est arrêté sur la ligne pour que. Il s'est arrêté sur la ligne pour que tu fasses le bon. Attends, on va aller sur le leader quand même qui arrive. Le leader qui a atomisé cette course ce soir. Monsieur Flo de la KCFR ici qui s'impose en vainqueur. Solide. Meilleur tour en course, 1:45.192. Ouais. Bravo, bravo à lui. Et on va à Max aussi qui est en train d'arriver en 7ème position. Le dernier pilote encore en course. Notre Maxou. Quelle course, hein, finalement. À pas mal de rebondissements. De rebondissements. Et le passage de Max. Ah, qui fait durer le plaisir. Le Max de la KCFR. Qui fait des donuts ici. Allez. Mon loulou, ouais, elle est belle cette image. Allez, les donuts de la KCFR ici, comme pour fêter la victoire de son leader. Allez, tiens, je te mets un feu d'artifice, c'est prêt pour toi. La KCFR à l'honneur ce soir sur cette course. Il n'en finit plus, le pilote, et passage de la ligne pour lui. Et on revient sur le leader, Monsieur Flo. De la KCFR ici qui est venu atomiser la concurrence. Bravo à lui. Et bravo à tous les pilotes. Tac. Allez, on va revenir. Hop. Sur la phase d'interview, je vous fais redécouvrir cette... Tiens, on va se remettre sur la course pour que vous voyez. Je vais arrêter mon petit feu d'artifice. Plaque. Allez, le résultat de cette course, vous l'avez sous les yeux. Flo de la KCFR qui a terminé avec... vraiment, il a fracassé la concurrence. Je ne sais pas comment dire. 1:45.192, tu te rends compte ? Regarde, les meilleurs tours, ils sont tous en 46. C'est le seul à avoir fait ce chrono-là. Bravo, bravo à lui. Flo qui est venu ici remporter cette 7ème manche de ce championnat organisé par la IVRT. Notre Richie finalement qui finit en deuxième position. Je sais qu'il doit être très satisfait de sa course. Il ne pouvait rien faire contre Flo ce soir. Mais par contre, il a maintenu derrière la THR qui finit sur le podium. Et Jouge qui finit 4ème en seigneur. Hein, franchement, s'il y a un pilote... le pilote du jour, c'est difficile entre Jouge et Flo. Parce que Flo, il a quand même réalisé une belle course. Mais Jouge, il a eu quand même de très très belles réactions. Donc on est quatrième du côté de la Sportec. Pardon. Ludo, en cinquième position, belle course aussi à lui. Jipiz pour la LCRT en sixième position. Milieu de tableau pour Max ici, qui aurait peut-être pu espérer mieux, mais quand même course difficile. Moms, respectable huitième position, qui est à deux tours quand même du leader. On a Seb ici, deux tours aussi du leader. Matt en 10ème position, Mika
qui échoue en 11e position à 4 tours du leader, dans le même tour qu'Amiral, en 12e position. Est-ce que tu veux inviter au moins le podium? Bah, on C'est le ce voit. que je suis en train de faire. Comme ça, ils inviteront. Mais tu es super, j'ai rien à te dire. Allez, on va attendre ces pilotes, vos réactions sur le chat, n'hésitez pas par rapport au résultat de cette course. On a Milo qui nous dit bien joué Maxou. Richard qui nous dit fier de vous, très fier de vous, tu peux l'être, tu peux l'être. Milo qui nous dit j'adore le feu d'artifice. Carrément. Interview, bien sûr, interview. Mais le temps qu'on invite les pilotes. Mika qui nous dit pas ouf ce soir. En même temps, je reprends la route demain. Priorité à la sécurité routière. Repos avant tout et les vacances avant le jeu. Aucun training et 15 jours sans GT7. Ah ouais, c'est clair que là, tu mettais rien de. Tu mettais pas tous les atouts de ton côté, mon Mika. J'assume toute connerie que j'ai pu faire sur la piste non volontaire. Mais on te croit, on te croit. Et la KCFR, oui, interview. Je vais leur répondre quand même. C'est moi qui ai mis Inter sur la télé de Stéma. C'est moi qui ai mis Interview sur la télé de Stéma. Oui. En partie. Mais personne n'a décidé de venir. De Stéma. Je sais pas comment j'ai écrit Stéma, j'ai écrit Stémé, moi. Killer Lolo vous y invite. J'y vois rien, j'ai mon micro en plein milieu, quoi. J'ai mon micro qui est au milieu de l'axe du clavier, je n'y vois strictement que dalle. Qu'est-ce qu'il dit mon Jean-Pierre? Bravo aux pilotes et aux organisateurs, super cast et go cast au top. Merci mon Jean-Pierre, je sais que tu es un fidèle sur la télé de Stéma. Et je t'en remercie mon JP. Merci encore pour ton cast, merci à toi mon Richard. Juventus, salut, comment allez-vous? On va bien. Mieux que toi, parce que toi tu as dû avoir chaud derrière ton volant. N'hésitez pas à venir sur l'interview si vous voulez parler de votre course. Tu es invité, t'es sûr, ma Lolo? Il n'y a personne Bah, qui. j'en ai invité plusieurs, oui, mais il n'y a aucun qui... Ben écoute, on va les attendre pour ceux qui veulent. Juste pour moi, le temps, vu que vous êtes encore 16 sur le live ici, vous dire que demain, vous me retrouverez sur la télé de Stéma pour les préqualifications de la Top Gun du championnat qui va commencer le mois prochain, ça sera les lundis. Et vendredi, on sera sur la course de la OMT avec, comme je vous l'ai dit, ce petit course en karting. D'ailleurs, Malolo, si tu fais rien, je t'y invite, t'es pas obligé. Hein. C'est une petite course d'une demi-heure, c'est super, super rigolo. C'est quand tu m'as dit? C'est vendredi, là, vendredi qui arrive, 21h. Voilà, si tu veux. Coucou, invite. Richie, je sais plus si je l'ai fait. Si, Richie, je l'ai fait. Ah, y a, bah, écoute, il y a Flo, y a le vainqueur qui est là, il va pouvoir nous inviter tous les pilotes. Voilà. Salut mon Ouais, Flo! bonsoir. Comment il va? Bonsoir. Comment vous allez, pardon? Est-ce que Milo a mis de la Red Bull ce soir dans ton repas? Ouais, m'a mis une picouze dans Parce que là, franchement, tu volais sur la piste ce soir. Avant que tu nous parles de ta course, mon Flo, est-ce que tu peux inviter les joueurs dans la partie? Yes, Tu sais comment faire, hein? Tu fais inviter les joueurs, tu vas tout à fait à droite et tu les sélectionnes. C'est bon, c'est fait. Peut-être qu'en venant de toi, les pilotes vont... Allez, raconte-nous un peu Ouais. cette course, mon Flo. Tu partais combien déjà sur la grille? Tu partais pas premier, toi. Je partais dixième, il me semble. C'est ça. Parce que de base, j'étais pas, je suis pas du tout dans le championnat, donc je me suis inscrit parce qu'il y avait un ancien KCFR qui le faisait, et du coup il nous a dit de le faire. Donc on est venu avec Ludo et Max et pour le délire quoi, pour faire une petite course et puis voilà Et quoi. finalement, tu as pris énormément de plaisir ce soir. Dis donc, t'as pas laissé Ouais, grand-chose à la carrément. concurrence. Bah je pensais que Richie allait pouvoir faire quelque chose, mais quand j'ai vu qu'à la fin là, même en médium, je gardais du temps, je me dis bon allez, je remets les temps pour faire un temps. Tu perdais du temps, on n'a pas vu la même course. Non. Non, quand j'ai vu que lui perdait du temps, Ah, pardon. bah, voilà. Tout à fait. Bon, en Donc tout du cas, tu coup, j'ai t'es dit, senti à ouais, je l'aise. C'est un vois. circuit que tu affectionnes. La voiture, ça va. Hein. T'es celui qui a fait le moins d'erreurs hein, sur le. Ouais, bah, la 908, je suis pas fan pourtant, mais sur Suzuka, là, c'est franchement un régal. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Et hier, j'avais un event sur Suzuka en GR3, donc j'étais déjà dans le bain du circuit. Donc il y avait juste la voiture à prendre en main, et puis voilà quoi. C'était Bon, cool, je suis un belle peu petite déçu, t'as course. pas fait le 1,44, mais bon.
Ouais, même moi, j'ai tout donné à la fin. Ouais, je savais que tu allais le chercher, celui-là. Quand je t'ai vu aller chausser les pneus tendres dans tes derniers tours, là, je me suis dit, lui, il va aller choper l'une 44. Hey, t'es pas loin, hein, 45-192. Hein. Bravo. Ouais. Bravo. Bravo à toi, en tout cas. Et j'en connais un qui est fier de ce que vous avez fait. Ouais, j'ai vu un peu les coms, hein, ouais. Ouais. Et puis, y a ta moitié aussi qui t'a suivi tout le long, qui était aussi pas mal fière. Ouais, bah toujours, elle est toujours là. C'est bien d'avoir une femme à ses côtés, surtout sur ce jeu. Je pense que tous les autres hommes n'ont pas peut-être cette chance-là, donc moi, j'en tire mon chapeau. Ouais, c'est clair, moi, la mienne, tu vois, elle regarde même pas mes lives. Elle me dit, oh, va faire tes conneries, laisse-moi tranquille. Bonsoir. Salut, salut les gars, salut à tout le monde. Bah écoute, merci à toi en tout cas, mon Flo. Belle course, reste un peu avec nous si tu veux pour les interviews ou ouais, parler vous avec pas, je suis là. Avec les autres pilotes. On n'a pas Richie qui est là sur le. Vous l'avez invité, Richie? Il a fini. Ouais, je l'ai invité, mais. Il n'est pas là. Juventus aussi n'est pas là, donc on va laisser notre juge national qui est là de la Sportec. Bonsoir à tous. Salut mon Jouge, comment ça va mon poulet? Bah, très bien, très bien. Difficile, mais alors franchement tu m'as fait rêver déjà. Respect pour ton fair play, pour ta ténacité, pour pas ton rage quit, parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur la course, c'est pas évident quand tu te bats pour un podium. J'ai eu beaucoup d'accrochages. Ouais, ouais c'est clair, mais bravo à toi. Alors ta stratégie était agressive, c'était quoi? Tu devais remonter ce soir, hein, c'est ça? Ouais, bah écoute, j'étais en dur, je suis parti en dur. J'ai passé tout de suite les moyens, j'ai fait deux tours et après j'ai parti vraiment que en tendre, quoi. Ouais, on a vu. Ouais. Vraiment pour être rapide et bah, ça a payé, quoi. Mais bon, j'ai eu quelques accrochages par-ci, par-là, voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais on va y revenir quand même sur ça. En tout cas, tu laisses passer Juventus sur la ligne, pourquoi? Parce que quand tu l'as passé, on en a eu pas mal d'actions, mais celle-là, j'ai dû la rater. Qu'est-ce que tu En fait, j'ai d'ailleurs un tout petit peu, ouais, voilà, j'ai un petit peu accroché là sur le deuxième. Ouais, c'était pas le dernier tour, l'avant-dernier tour. Ouais. Donc, j'ai forcé un peu et je dis, bon, allez, je vais laisser passer, c'est mérité, quoi. Ouais, bah, en tout cas, respect à toi pour ça, c'est des exemples que tu montres. Bravo, bravo à toi, en tout cas. Merci, merci. On va passer quand même. Il n'est pas là, hein, toujours le Richie en deuxième position, mais on a notre Juventus non. Ici de la THR. Hop, et salut à toi. Hop, tiens, je t'envoie une demande d'ami comme ça. Salut à la THR, et salut à toi, Juventus. Beau podium pour toi. Oui, effectivement. C'était un petit peu. Voilà, cadeau, à vrai dire aussi. Ouais, tu l'as mérité, t'es pas là par hasard hein, aussi. Hein. Oui. Ah non, non, voilà. Pas là par hasard. Mais bon, voilà, moi je joue pas les points non plus, mais bon, je fais ce que je peux. Eh bah écoute, tu le fais bien puisque tu es j'ai troisième. Eu des très belles batailles, etc. Donc voilà. Bah, toi, tu as eu de beaux combats, bien, bien fair play, c'était joli à voir. Le flow, tu l'as vu, c'était la fusée de ce soir, il était vraiment pas prenable. À un moment donné, tu t'es dit qu'avec ton rythme en course, tu pouvais aller chercher Richie ou pas? Clairement pas. Ouais. Franchement. Tu regardais plus ce qui arrivait derrière. Faire un podium et tout. Voilà. Mais je m'attendais pas à faire un podium, effectivement. Donc. Bah écoute, c'est la belle surprise de la soirée. Le flow, c'est Max Verstappen, quoi. Ah, ce soir, c'est Max voilà, Verstappen, quoi. Max Verstappen qui avait bu de la Red Bull ce soir. Voilà. Ouais. Effectivement. Ouais, en tout cas, merci. Merci beaucoup aussi pour le live et avec plaisir. Voilà, de participer à la course. Et avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, alors pourquoi le pseudo Juventus? T'es un fan ou? Je suis fan de la Juventus de Turin justement. Donc, d'accord. Voilà. Ok. J'adore cette équipe-là. Et la THR, ça veut dire quoi comme nom de team? Team Hattrick Racing. D'accord, ok. Je crois que pour c'est... faire les meilleurs tours. Tu crois que ça fait pas longtemps que tu y es, voilà. C'est ça? Je ouais, confirme, fait... c'est ça, Juventus. C'est ça. ça fait 2-3 ans que je suis à la THR aussi, donc j'étais déjà sur F1
Le temps que tu imprègnes le nom de la team, il te faut 2-3 ans. En tout cas, belle course à toi et beau podium. Il y en aura d'autres. Il reste la finale, hein, messieurs, à faire attention. Sur un circuit de la Sarthe. Ouais. Un circuit qui est un peu plus propice à ce genre de voiture, hein, sur la Sarthe, ça c'est sûr. Parce que là, c'était pas évident. Hein. Vous voyez, non, doubler, c'était chaud quand même. Il fallait que ça se passe bien des deux côtés. Merci à toi, mon Juventus. Quatrième position, on avait Ludo. Est-ce qu'il est là, Ludo? Il est là, Ludo. Non, cinquième, ouais, pardon. Je suis là. Salut, mon Ludo. Je suis là. Oui, cinquième. Bonsoir à tous. Bonsoir. Belle course, dis donc, pour toi. Ben, merci, je pars sixième. J'ai du mal avec sur ce circuit-là, j'ai pas le rythme que j'avais la semaine dernière sur Barcelone. Je m'étais entraîné un petit peu et je me suis incrusté dans le salon à la dernière minute parce qu'il manquait des pilotes. Mm-hmm. Sinon, au départ, Barcelone, je devais pas la faire et j'avais fait un podium. Et ici, je me suis plus entraîné que sur Barcelone et plus de mal avec le rythme, mais ça va, je suis content de ma cinquième place, c'est pas mal. Ouais, tu fais une course intelligente, assez tranquille, et puis voilà, un bon rythme, pas beaucoup d'erreurs, quasiment pas, hein, je t'en t'as pas vu. Une dans le dernier run, à un moment donné, le dernier run allait un petit peu moins bien, j'étais pas régulier, et peu de déconcentration après une heure et demie, il faut le faire aussi, hein, donc ouais, parce qu'en plus tu as pas mal roulé tout seul toi, donc il faut rester concentré, ça c'est clair, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Donc en tout cas, bien joué au podium, bien joué forcément à mon à l'avion et un petit mot pour Max qui s'est pas entraîné du tout. Et donc, un beau résultat pour quelqu'un qui s'est pas entraîné. Max, il est toujours présent. Ben Max, en fait, il faisait 2-3 tours en 1:46 et il remontait, puis paf, une erreur derrière. Allez, il repartait au combat. 2-3 tours bien, une erreur, et c'était parti. Il faisait ça sans arrêt. Mais on a vu qu'il n'était pas à l'aise avec ce combo. Mais en tout cas, il a fait quelques beaux, belles combats, beaux combats. Ça a été sympa. Vous le verrez sur le live, il y a eu pas mal de choses qui étaient sympas. Merci, mon Ludo. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour le cast. Avec plaisir, mon Ludo. Monsieur Moms, en 8e position. Je suis là. Salut, Moms. Salut. Indépendant, tu fais partie d'une team, toi? Non, je fais THR. J'ai pas eu le temps de changer de pseudo encore. Je suis pas rentré, voilà. Mais THR, ouais. D'accord, la team Artric Racing, donc. Voilà, c'est ça, avec Juventus. Combien d'années? Ils étaient déjà sur F1. Je pense que Juventus doit le savoir mieux que moi. Parce que moi, je suis rentré il n'y a pas énormément longtemps. Non, toi, tu arrives vers la fin de l'année, je crois. Ou début d'année. Mais la team, je sais pas, ouais, sur F1, elle doit avoir quoi? 5 ans, non? La team, comme ça. La team, elle date de 2022, je crois. Ouais, c'est ça, 2022. Ouais. D'accord. Et vous avez des pilotes sur F1 et des pilotes sur GT, donc. C'est ça? Ouais. Alors, au début, c'était sur F1, apparemment, et maintenant, c'est plus sur GT, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu sur GT? Le fait que sur F1, les salons, tout ça, c'est pas ça, c'est ça? Après, ouais, ça faut... Tout, ouais, avec les bugs de salon, ouais, les trucs comme ça, je pense que... Voilà, ça y est. C'est vrai que tu vois, plus le fair play aussi, donc. Plus de fair play sur GT, d'accord. Oh, ça doit être un sacré carnage sur FM. Ouais. Ça c'est clair. Parce que des fois, c'était chaud. Mais en tout cas, ouais, Moms. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ta course? Donc 8e. Alors 8e, moi je pars 9e, je gagne une place. C'est ma 3e course au volant. Ouais. Je débute au volant, donc. T'as quoi comme matériel? Là, pour l'instant, j'ai un T248, je vais passer sur un T300RS. Ouais, déjà, tu verras la différence. Avec un petit PlayStation Challenge, et puis voilà, quoi. Mmh. Alors, par contre, tu vois, c'est vrai qu'on disait sur live, pour une voiture compliquée à conduire comme ça, quand tu fais un coup de raquette, c'est plus facile à reprendre avec la manette qu'avec un volant, la voiture. Ça, ah c'est oui, sûr. Largement, ouais. J'en ai fait 2-3 coups, là, des petits spins, là, et... Voilà. Et ouais, compliqué. À moins que c'est vrai que la manette... c'est plus facile. Mais à moins que tu mettes aucun retour de force sur ton volant et que tu le massacres et qu'au bout de... Ah oui, non, ça, c'est pas le but, hein. Mais c'est beaucoup... Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de faire des spins à la manette qu'au volant, si
si tu as un peu plus de maîtrise. Oui, parce que c'est direct en fait la direction. Donc, exactement. Tu peux pas trop. Voilà. Voilà. Et tu te sens plus à l'aise toi au volant qu'à la manette, hein, c'est ça, pour l'instant? Alors, ça dépend des voitures et tout ça, mais je suis souvent plus à l'aise à la manette, mais là, voilà, je passe au volant, je m'oblige à rester au volant, je veux plus toucher à la manette, quoi. C'est ça. En tout cas, le secret sur cette 908, je pense, pour ceux qui ne veulent pas mettre le SCT, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup qui avaient de contrôle de traction, pour ceux qui ne le mettent pas, le secret, c'est de surshifter avec cette voiture. Quand ouais, tu c'est ça, c'est ce que j'ai fait à partir de la moitié de la course, là. C'est ça, hein. Voilà, ouais. J'ai Batman qui est venu me voir sur mon live, qui m'a dit tu passes les rapports trop tard et tout. Exactement. Passe les plus tôt, voilà. J'ai eu des petits conseils pendant la course, on va dire. Plus tu les passes tôt, plus tu peux passer la puissance au sol, parce qu'elle est coupleuse, cette voiture, elle est légère. C'est une voiture de course carénée, hein, il faut le voir comme ça. Et on a vu des pilotes qui le passaient à la moitié, tu vois, du régime. Il y en a qui le passent au quart. Hein. Moi, je sais que j'ai vu j'ai fait des lives sur ces voitures où il y a des pilotes un peu plus chevronnés. Tu vois même pas la zone rouge. Ils passent les rapports, mais c'est hallucinant. Ouais, ils passent direct. Ouais. Ils passent direct les rapports. Ils tombent la première dans les gros freinages pour l'arrêter. Tout de suite, ils sortent en trois, par exemple. Tu vois, ils tombent deux rapports d'un coup. C'est voilà quoi. Ça, c'est le secret. On a vu que, par exemple, Fou le faisait très bien. Et en fait, les sorties de courbe, elles sont monstrueuses, quoi. Tu vois, c'est vrai que quand je passais le rapport plus tôt, ça allait mieux, quoi. J'améliorais mes temps et tout ça. Ouais, tout à fait. Mais après, je suis quand même content de ma petite course, quoi. J'ai carrément, pas perdu de place, voilà, quoi. Carrément. Donc, un beau combo pour toi, une belle course ce soir. Ouais, quoi. Même sur la 908 avec le volant, pas mal, j'aime bien. Ouais, ça passe bien. En tout cas, merci à toi, merci à la THR. N'oublie pas de changer ton pseudo. ouais, ça va être fait là, ça va être fait. Merci pour le cast et franchement, super live. Ouais. Avec plaisir. L'avais en direct dans le casque et c'était génial. Ouais. Ah ben voilà, ben avec plaisir. On s'amuse toujours avec ma Lolo. Nous reste deux pilotes à interviewer. Seb. On a Seb, ouais, et on finira par Amiral. Ouais. Salut mon Seb. Salut. La Phoenix Racing Team. Ouais, la finale là, je l'ai pas très représenté ce soir, c'était un peu un carnage. Par contre, je suis peut-être numéro 1 au niveau glissade, je devrais être peut-être numéro 1 parce que j'en ai fait une paire, hein, sérieux, et je suis désolé si j'en ai touché ou quoi que ce soit, mais oui, ce soir, ça a vraiment pas été mon soir, quoi. Ah, il y a les organisateurs d'Holiday on Ice qui vont t'envoyer un mail pour te recruter. J'en ai fait des belles, parce que même moi, je me suis demandé, quoi, des fois. Mais ouais, non, ça a été très, très, très compliqué ce soir, quoi. Rien n'a marché correctement, quoi. Elle est pas évidente, cette voiture. Ouais, non, la 908 sur Le Mans, ça va, je sais la contrôler, mais là, sur Suzuka, non, je la contrôlais pas du tout, il y avait pas moyen, je passais mon temps à sortir ou à faire des glissades avec, quoi. C'était même le STC0, j'ai essayé et j'ai dû repasser au 1 parce que ça allait pas non plus. Non, c'est très 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 compliqué ce soir pour moi, quoi. Elle est coupleuse et sur ce circuit elle est pas du tout ouais. Mais ouais, bon, c'est, on c'est peut tout. Dire que c'est une course d'apprentissage, au moins tu sauras. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, Suzuka, bon, il vaut mieux le faire en GR4, ça passe mieux. Ouais, GR4, GR3, c'est mieux. GR1, c'est compliqué pour moi. Il y a trop de virages, ça tourne de trop. Pourtant, c'est un beau circuit, hein. C'est un circuit à l'ancienne. C'est un circuit qui est pas mal, mais ouais, non, là, avec la 908, là, j'avais vraiment du mal, quoi. Puis au début, avec Mathias, à chaque fois, je le recollais, mais je savais jamais où j'allais le doubler à droite ou à gauche. Et le peu de fois que j'ai essayé de le doubler, en fait, j'arrivais pas. Et je me sortais parce qu'il partait de droite à gauche et j'arrivais pas. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, tant pis, c'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est tu feras, oublié, tu feras mieux sur la Sarthe. Ouais, voilà. On fera mieux sur la Sarthe, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux, je pense. C'est clair. Bon, bisous à la PRT en tout cas. Et puis, merci. Bravo à toi. Merci à toi pour ton casque et puis à très bientôt. À très, très vite. Allez, on va terminer par Amiral. Salut, Amiral. Et bonsoir. Salut à toi. Ah tiens, il y a Richie qui arrive, donc on va interviewer Richie. Amiral, toi aussi, t'as pas de team, t'es indépendant, c'est ça? Hello. Salut mon Richie. J'ai une connaissance. J'avais pas un ami qui m'a invité, donc. Attends mon Richie, je termine juste mon Richie, l'interview d'Amiral, après tu vas parler de ta fabuleuse course que tu as réalisée mon loulou. Déjà je te fais de gros bisous, je suis ravi de t'avoir en live mon Richie. Alors Amiral, oui, donc tu disais au niveau de ta team. Au niveau de ma team, donc je suis indépendant. D'accord. J'ai un ami qui essaie de m'apprendre à bien piloter et tout ça, et à essayer d'être le plus fair play possible, qui est du coup Mams.
Alors tu lui diras à ton ami qu'il t'apprenne à respecter les drapeaux bleus, mon loup, parce que... Oui, tout à fait. Parce que, voilà, c'est la première chose. Tu sais, t'as le droit d'être plus lent que les autres, ça, franchement. Même moi, je suis un pilote qui suis bidon. Par contre, les drapeaux bleus, respecte-les, parce que tu vas t'attirer la foudre de pas mal de pilotes sur les prochains Grands Prix que tu fais, si tu les respectes pas comme ça. Parce que là, par exemple, tu fais perdre énormément de temps à Jouge en dernier. Alors, je sais pas si tu as bien vu que c'était un concurrent... qui était devant toi, mais un drapeau bleu. Parce que j'ai eu un drapeau bleu, puis après, par moment il disparaissait, donc pour moi c'est que j'étais un peu plus rapide sur certains secteurs. Et à un moment donné, c'est qu'il arrivait plein de balles derrière moi, il me fait une double touchette sur le pare-choc arrière au niveau du tour 33-34. Et du coup, mauvais esprit là-dessus, des personnes qui font des touchettes sur les bagnoles comme ça, qui n'ont pas lieu d'être. Mais je te coupe juste pour te dire que du moment que tu as un drapeau bleu, le pilote derrière, dès que tu le vois dans ton rétro, la seule solution, c'est ligne droite, tu décélères et tu te mets hors trajectoire. Et tu verras que tu n'auras pas ce genre de souci. Parce que pourquoi le pilote, il arrive, il te fait une touchette? Parce que dis-toi bien qu'il te met quand même, je crois que tu finis à 4 tours derrière lui sur une course d'une heure et demie. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus rapide que toi. Ça veut dire que ce que toi tu prends pour une touchette, c'est peut-être parce que toi tu as des points de freinage qui sont trop tôt, qui sont mal négociés parce que tu débutes ou que tu n'as pas le même savoir-faire, on va dire, sur ce circuit-là. Et que lui, il te touche parce qu'il est surpris de ton point de freinage qui est trop tôt. Ce n'est pas une volonté de te foudre. Surtout que moi, je connais la Sportec, je connais leur rang de fair-play. Surtout, ce n'est pas la première fois que je le vois sur les lives. Ce n'est pas le pilote qui va te foutre dehors, tu vois. Par contre, un conseil pour le futur, c'est un conseil d'amis que je te donne. Hein. C'est pas, je ne te juge pas, hein. C'est pas ça. Non, mais c'est toujours bon à prendre les conseils. Prochaine. Après, le truc, c'est que là, ce n'est pas en virage. C'est que surtout que là, c'était en ligne droite. C'était juste après le pont. Juste après le pont avant d'arriver sur l'épingle. Donc, c'était sur la ligne droite. Je commençais à me décaler sur la droite. Mais il me fait une double touchette quand même au tour 33. Ouais, je sais. Alors que c'était sur la ligne droite. Mais par exemple, on a vu quelques tours après, on a vu Mika de la DDP avec l'expérience qu'il a, qui était pas dans sa course ce soir, mais quand même, il a eu un drapeau bleu qui était quasiment au même endroit que toi. Il s'est mis hors trajectoire, il a freiné, c'est passé, il a pas embêté le pilote, tu vois. C'est le conseil que je te donne. Après, tu t'en fais ce que t'en veux. Moi, je sais que je suis à mon presque 250e live. J'en ai vu des courses qui étaient plus ou moins réussies et j'ai vu de très très beaux dépassements. J'ai vu des drapeaux bleus respectés de la meilleure des façons et j'ai vu, comme toi, des pilotes qui débutaient et qui ne respectaient pas les drapeaux bleus. Je peux te garantir que si tu ne le fais pas sur tes prochaines courses, tu vas t'attirer les foudres des autres pilotes parce que ce soir tu embêtes un peu Jouge qui est très fair play qui reste. Il y a des pilotes, ils ne l'auraient pas pris comme ça, tu vois. Ça aurait été réclamation, rage quit, insulte sur le chat et tout, tu vois. Bon, là on n'en est pas là, donc tu vois bien le fair play du pilote de la Sportex qui en plus laisse son podium à Juventus à la fin parce que lui aussi il a fait un dépassement un peu hasardeux, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Moi, c'est juste ce que j'ai à te dire. Après, dans ta façon de piloter, on voit que tu apprends ce soir et c'est dans ce genre de... En plus, tu n'as pas choisi les combos les plus faciles, hein, mon loulou, parce que 7-908, bon. Hein, tu pourras juger. Pourtant, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Ouais, mais elle n'est pas évidente à conduire, hein. T'as vu, elle n'est pas évidente. Non, c'est sûr. Ouais. Et le conseil que je te donne aussi, c'est que, comme les autres pilotes, va moins haut dans les tours, tu verras que tu glisseras moins en sortie de virage avec des voitures comme ça. Ouais. C'est ce que j'avais essayé aussi à un moment donné, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon chrono de 1,50. Parce qu'après le reste du temps, quand je montais trop dans les tours, j'étais plutôt dans les 1,57, 1,58. Je crois même qu'une fois, j'avais même atteint les 1,59 et 2 minutes. Mais c'est pour ça qu'après, donc, j'ai continué à passer mes vitesses bien plus tôt. Mais bon, après, voilà. Et c'est après les contacts avec Jouge, dont je m'excuse hein, encore d'avoir fait une safety car sur toi. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Le reste du temps, après, j'ai fait en sorte de pouvoir... ouais, on a vu. Ouais. Même à la limite, ça m'arrêtait sur la piste en fait. Donc, limite le drapeau noir. Parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter quand même sur la piste, être complètement à l'arrêt. Sur les autres pilotes. Donc, après voilà, c'est vraiment un endroit où c'était pas ouf du tout. Et puis j'étais pris en mauvais esprit quand j'ai eu la touchette. Eh oui, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, l'essentiel c'est que t'aies compris ce qui se soit passé et puis pour le futur tu feras autrement. Mais je te dis, drapeau bleu, la meilleure chose c'est mets-toi en trajectoire et lâche tout et tu verras, ça passe crème quoi. Ouais, sans embrouiller. C'est sûr.
En tout cas, merci de ta participation à ce championnat. Ah, il est merci pas de m'avoir évident. Accepté aussi parmi vous. Bon, avec plaisir, hein. on n'est pas sectaire, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Merci à toi, mon amiral. On va quand même écouter notre Richie National parler de sa super course. Salut, mon Richie, comment ça va du côté de Toulon? Ça va, c'est bien. Ça va, mon loulou? Oui, impeccable. Bon, la course, voilà, on a fait cavalier seul, les trois premiers, je pense. Ouais. Et t'es parti comme un fou, toi. J'ai roulé. Hein. Ben oui, j'ai tenté ça. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde en moyen et en dur. J'ai dit, tiens, voilà, je vais. Mais ce qu'il y a, j'étais à l'écho toujours, quoi. Ouais, à l'écho. C'est quoi qui. À 5000. À 5000. Et ouais. Mais c'était quoi qui te faisait défaut, toi, sur ce. C'était l'essence que t'avais peur, tu consommais trop? Ouais, non, les pneus, tu comprends. Si t'accélères trop, ça bouffe beaucoup, donc l'essence, parfait, ça va, c'était bien calculé, 3-3, c'est bon. Mais par contre, tu vois, à l'entraînement, je suis sûr d'avoir mis les bons trucs sur ma programmation de salon, de piste. Je faisais du 2,94 dans le virage en bas, là, j'ai pas dépassé 2,87. Ah ouais, j'ai pas compris. Ouais, ben souvent, tu sais, j'ai pas compris. Quand t'es en course, des fois, t'as pas les mêmes sensations, les mêmes réflexes. Hein, selon les salons, c'est complètement différent. Je sortais bien du dernier virage avant la descente, là, et jamais pu avoir 90. En tout cas, ta course, elle était plus dans les rétros que ça a joué que devant, parce que devant, Flo, quand même, il fallait aller le chercher ce soir, elle avait un gros niveau. Mais derrière, tu avais un Juventus et surtout un Jouge qui était très bien. On était inversés, je crois. Quand j'étais tendre, il était médium, et quand j'étais médium, j'étais tendre, je crois. Je crois qu'on était inversés. C'est ça. Il est là, Jouge. Oui, il est là, Jouge, il t'écoute. Oui, je suis là. T'as pas fini entendre en moyen? Non, j'ai fini entendre. Ah d'accord, ok, ça va, alors j'ai rien. Je les ai vite passés les moyens. Mais comme j'ai en fait, pas fait beaucoup d'essence, je les ai passés deux tours et après j'ai fait que détendre. Ouais, d'accord. Ah ben tu faisais. Moi j'arrivais à tourner aussi vite en moyen qu'en tendre, comme j'étais en sous-régime, tu vois. Ça passait très bien. Bon, en tout cas, c'est pas mal pour un vieux, mon Richie, finir deuxième, quand même, hein. Dis-moi. Il y a 15 jours, ouais. J'ai fait 70 ans. Oh putain, tu vois, je disais 60, ouais, bravo, ouais, mon Richie. Merci, les gars. J'étais resté à la 60. J'en ai besoin. J'étais resté à la 60, moi. 70, mon loup, bah écoute. Moi qui connais le Persimage, t'es beau comme un camion. Je suis le 54. Merci. T'es beau comme un camion, mon loup. Au fait, tu vas au Fanatec, à Ricard le 6 avril? Non. Ah, 6 avril, non. Je ferai peut-être un tour. Okay. Hein. Bon, mon Richie, tu es toujours indépendant ou tu es à la TSR, toi, encore? Tu es revenu à la TSR? Je suis indépendant. D'accord. Non, je me suis pas attrapé, mais il n'y a pas de camaraderie sur la route, ça m'a gonflé, je suis parti. D'accord, ok. Bon, tu as un cœur à prendre ou là, tu veux rester indépendant? Je ne sais pas. Parce que tu as encore un bon coup de volant, hein, mon loup. Ouais, et encore, je ne suis pas au top au niveau des pédales, hein. J'ai pas beaucoup de freins, ça m'énerve. Hein. Change de volant. J'arrive pas à trouver. Bon, merci à toi en tout cas, mon Richie. Merci de ta bonne humeur toujours. Merci de l'invitation. Merci et félicitations à tous. À Flo, bien sûr, et le troisième et tous les autres. Allez, ben écoute, prêt pour la finale sur la Sarthe. Je vous souhaite un bon entraînement. Alors, on va se faire plaisir. On va se régaler. Là, on va se régaler. On va se faire plaisir. Là. Oh putain. C'est quand? C'est la semaine prochaine, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, ben, donnez le meilleur de vous-même. Je vous remercie en tout cas de cette belle soirée que vous nous avez donnée. Toujours la petite pensée à Raphaël aussi. Merci à toi, surtout. Pour le tour d'honneur. Hein, n'oubliez pas notre Magine Punk et toute la force à sa famille, notamment à Cracotte.
Voilà, c'était aussi dédié cette soirée à ce pilote-là qui nous a quitté malheureusement. Son pseudo c'était quoi? Imagine Punk. D'accord. Anciennement SOE Punk. Et son prénom Raphaël. Voilà, pour lui-même. Un jeune pilote qui nous a quitté. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Live RT, Malolo, merci à toi Malolo, comme je te disais, au revoir madame, au revoir monsieur, gros bisous à vous, gros bisous à Live RT, restez les beaux pilotes que vous êtes, on se retrouve nous demain soir sur les pré-qualifs de la Top Gun, je vous fais de gros bisous, à très très vite les loulous, ciao. Ciao les gars, merci, ciao. Merci Steph. Bonne soirée, ciao. Salut. Salut tout le monde, salut.